Parfait. Trier par les plus anciens. Ouais, on va trier par les plus anciens. Alors, nouveau tribunal. Comme je disais, 4 mois. 4 mois que nous n'avons pas fait de tribunal. Pourquoi ? Bah parce que j'aime bien, mais j'ai pas envie de trop abuser à chaque fois. J'ai pas envie de trop abuser pour... oh oui, là, c'était les plus anciens. Pour justement, au bout d'un moment, tu vois, c'est sympa de temps en temps, mais j'ai pas envie de trop en faire non plus. Surtout que j'ai pas envie que ça puisse donner envie aux gens de dire de la merde pour passer dedans. Alors, pour pouvoir... Il y a 482 demandes. Pour pouvoir mettre un peu de contexte. Je suis la majorité du temps en mode sans, enfin, ni sub only ni rien. C'est-à-dire que la majorité du temps, tu viens sur mon stream et tu peux donc du coup bah, parler sur le chat, juste à un follower mode en 10 minutes, mais tout le monde peut parler, tu vois. Je mets assez peu de sub only parce que j'aime bien le fait que tout le monde puisse parler, mais ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui prennent la confiance, qui ne me respectent pas, qui se sentent un peu trop chez eux, tu vois. Et c'est un problème, parce que c'est super sympa, et j'aime bien l'idée de « t'es pas obligé de payer, tout le monde peut parler, etc. » Je trouve ça cool, mais forcément, on fait des streams sur Popcorn à 70 000 viewers, on est très fréquemment 10, 15, 20 000 ici. Du coup, en ce moment, c'est un peu chiant, et je me dis « putain, peut-être mettre un peu plus de sub-only, ça pénalise bah, la 95% des gens qui sont cool, mais on est un peu obligé de filtrer. » Ceci étant dit, j'ai envie justement de, à partir du moment où je suis assez cool, j'ouvre les trucs et tout, il va y avoir des gens, si tu viens justement avec un esprit négatif, va vraiment falloir une très belle lettre pour pouvoir revenir sur le stream. Parce que je rappelle, hein, y a des gens toujours, ils ont l'impression que j'exécute des gens. Si tu es banni de mon chat, tu peux toujours voir le stream, juste tu n'as plus accès au chat, tu vois. Si jamais t'as mis un ou deux messages concrètement pour insulter ma mère, bon, pas forcément envie de voir les suivants. Ceci étant dit, et je pense qu'on va pénaliser 90% pour un 0,1% de con, c'est si triste. Ah mais c'est la vie. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, genre on peut pas... Malheureusement, ces gens-là, ils parlent parfois beaucoup, et déjà, il n'y a que 4-5% des gens qui parlent hein, dans un chat, tu vois. Donc 4-5% des gens, c'est vraiment une masse silencieuse. Et dans les 4-5%, il arrive que des gens soient là fréquemment, tu vois. Donc, maintenant, on a des nouvelles options, comme je vous le disais. T'as des gens qui veulent se faire permaban. Sachez que les gens qui se font juste permaban, beaucoup, quand ils veulent juste se faire permaban pour de la merde, on les met même pas ici. Ils se font la demande est annulée et c'est réglé, quoi. On précise. Alors. Ah bah lui, on peut pas. D'accord, c'est trop ancien. Arouf Gangsta. Non mais Arouf, ça fait 8 mois. Ça, c'était des gars qui... Non mais 8 mois, on les avait déjà traités, eux. 8 mois, on les avait déjà traités. Wouah. Parce que le dernier, c'est en août. Ah bah là, ça démarre bien avec un vomère les chiennes. J'espère que ta mère a le Covid-19 et qu'elle va aller dans un cercueil. Vomère les chiennes. Ah bah là, on démarre bien. Ah mais là, au moins, on démarre avec quelqu'un qui n'est pas vraiment repenti. Ça nous met dans le bain. Tout de suite, ça nous permet de... on va le rejeter sans trop de décision. Ça nous met dedans, quoi. Dernier, pardon. Qui nous dit donc ? Qu'est-ce qu'il a mis ? Non, du lul, oui, bavure, Squeezie, quel tocard. Déjà, on est dans un truc négatif. Oui, simp, déjà un truc négatif. Ad, Thibaut Pinot, c'est ton petit maintenant. Et Rivenzi, cette merde. Kerin avait mis un 3600 secondes, Guis à permaban derrière. Et il répond, en message, il nous met donc, ce n'est pas la chaîne de Rivenzi, chacun peut avoir un avis différent. Un mec comme ça, tu vois, qui vient, bon alors déjà il te met, bon, Squeezie quel tocard, tu vois. Donc simp, tu vois, en mode, le gars, on doit dire un truc, que ce soit sur les meufs ou quoi, tu vois, genre. Mais le mec aurait juste dit, Rivenzi cette merde, il serait fait kick, tu vois. Le gars serait revenu en mode putain, ouais, désolé, bon, ça se faisait pas, je parle pas mal d'un streamer à côté, je l'aurais aidé. Mais le gars vient et il fait, le gars insulte, tu vois. Ce n'est pas la chaîne de Rivenzi, chacun peut avoir un avis différent. Simp, ça veut dire quoi? Simp, c'est. Putain, j'ai plus le truc exactement, mais c'est un peu White Knight, quoi, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, si je dis, oh putain, bah tu vois, les meufs se font harceler, etc., faut essayer de faire plus attention, tu vois, à ce qu'on dit et tout, le mec va te lâcher simp, tu vois, dans l'idée. Ça veut dire, ça peut être utilisé en plein de contextes, tu vois. Mais c'est un peu ouais, canard, white knight, ce genre de truc, tu vois. C'est rarement simp en mode, tu es archi cool. Donc, c'est ce genre de truc. Donc là, juste le mec, en fait, se sent au-dessus des lois et au-dessus des gens. Donc ça, c'est les gens que j'ai pas envie dans mon chat, tu vois. Le gars est en mode, bah, parce que du coup, il aime pas un invité que j'ai dans Popcorn, il va aller l'insulter, non. Alors, nique ta mère, David. NTM égale non t'es mort. Voilà, déjà lui,
lui, il amène quelque chose. Tu vois, lui, il a... déjà, tu vois, on n'est pas sur quelqu'un d'hautain, de prétentieux. On vient chercher justement un peu d'humour. On vient chercher quelque chose pour aller contrebalancer. On vient avec du culot quand même. Le truc, c'est que c'est premier message, tu vois. Premier message. Maintenant, comme je vous disais, les modos en fait peuvent avoir comme des bracelets électroniques. Le vrai bracelet électronique, maintenant sur Twitch, tu peux dire que ce mec-là, il est suspicieux. Et tous ses prochains messages, ils passent justement en mode est-ce que t'es sûr que tu le veux, quoi. Donc si le gars dans les prochains messages, il te met un truc en mode c'est de la merde, direct c'est permaban, quoi. Pff, le truc c'est qu'il dit nique ta mère à David quand même, tu vois. David, c'est David Godu. C'est quand même quelqu'un qui... Tu vois, c'est quand même quelqu'un, le David, quoi. J'ai pas envie que David ou n'importe qui que j'invite... Sur c'est David. Rejeté. On rejette. Mais, y a, tu vois, le mec aurait... Là, il a son premier message. Il aurait un gros historique. Ça aurait été un craquage. Il revient... N-word. Non, mais je parlais du net Billy. Non, mais ça, c'est des mecs qui jouent avec nos couilles. Les gens, nous... Non, mais là, du coup, il y en a qui... c'est sûr qu'il parle de ce David. Oui, c'était, ça devait être David Godu. J'ai pas retracé, mais... Mais là, c'est du N-word, tu vois, c'est des gars qui jouent avec les trucs, qui machin. L'humour, c'est bien quand c'est drôle, tu vois. Donc ça, directement, c'est rejeté. Nique ta mère avec tes émissions de merde. Qui est le salaud ? Oh, bon, oh là là, mais attendez, mais là, on n'a même pas besoin. Ça, normalement, faut savoir que les modos, en fait, ils pré-trient. Ah, mais c'est peut-être que là, je suis trop loin, donc ils n'ont pas eu le temps de trier. Et en fait, ils ont trié que les 26-50 messages. C'est peut-être ça. Parce qu'en fait, tous ces trucs-là, normalement, c'est trié par les modos ou c'est des gens, honnêtement. Mais c'est pour vous montrer hein, que ce que vous voyez parfois dans mes tribunaux, c'est genre, concrètement, des trucs déjà un peu triés où les mecs, vraiment, qui ont rien dans le cerveau, qui sont au bout du bout, déjà, on les met un peu de côté, quoi, tu vois. C'est le niveau facile, quoi. Alors, Nelta. Ah ben, on peut plus avoir accès à eux. Ah ben, pas tous, en fait. Trop bizarre. On n'a pas les logs de tous. Ok. Bit, pénis, chibre. Je ne me souviens vraiment pas d'avoir dit ça. Oh lolo. Alors lui, c'était quand ? 4 février 2020. Putain, 4 février 2020, on n'est même pas en Covid encore. Y a pas cette excuse du Covid. Y a pas cette excuse du Covid où t'es en mode... Putain, en plus, il écrit ça avec un S. Ah, j'ai envie, je vous le dis, je vais être un peu un connard dans celui-là. Je vais être un connard parce que ce mec-là, il nous a rien prouvé, il a mis un message, on se dit pas, on a vraiment envie qu'il puisse... Il écrit ça avec un S, pour moi, c'est punition. Hello, si vous voulez, raid mon cours de maths ingénieur. Bon, alors là, Veft, la permaban, il faut savoir que c'est autre chose. De temps en temps, je vous parle de bavure. Il faut savoir que Veft est prof de mathématiques. Donc là, là en fait, on rentre dans un concours de... on rentre dans un concours de prof de maths. Donc là, c'est autre chose. Là, c'est tout d'un coup, c'est un peu à part. Vef, il le prend très personnellement dès qu'il y a un cours de maths, tu vois. J'étais pas au courant. Non, mais là, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a aucun problème. C'est sévère de la part de Vef. Ça arrive entièrement. Ces gens-là, souvent, on les sort du ban. Il n'était pas au courant. Généralement, les liens, c'est time out. C'est 5-10 minutes, tu vois. Vef, t'élimines la concu, bien sûr. Il veut être l'ultime prof de maths. C'est commentaire. Ah merde, il y avait un commentaire. Il a insulté toute ta famille, Veft ? J'avais pas vu qu'il y avait un commentaire. Il avait dit un truc... je me suis fait raid un cours de maths, c'est pas drôle. C'est du vécu. Ah, sérieux, Veft ? Genre, pendant le confinement, t'étais en cours de maths à distance et des gens sont venus ? Non, t'inquiète, c'était l'historique. Ah, ok. Non, mais le mec... je pense que le kick est entièrement normal, tu vois, mais le permaban... bah ouais. Ah non, parce que Veft l'a vécu, ça lui a... On comprend entièrement. Ah putain, mais en fait, il y en a que je n'ai pas accès. C'est trop bizarre. Alors, Ayou Beatle, qui nous dit U, t'as capté le délire. Ah ouais, mon gars, on a capté Danone, Nick et Voras. Je suis désolé, mais mon cousin a pris mon téléphone. Oh, oh non, qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Una ? Ah non, j'allais dire si tu viens, on le débanne. Bon. Oh, le niqué vorace en plus, putain, il dégoûte. Hein. Non, le cousin, laissez-moi une chance. Oh, le ER, ça a beaucoup de mal. Hein. Les laissez-moi, on sait pas trop si c'est du EZ, ER. Non, je pense que là, on est à un stade de tribunal, ça doit être le 5-6e que je fais dans ma vie, où je peux plus avoir ça, quoi. T'es éclaté, frère. ER, encore, on a des vrais problèmes à l'heure actuelle, hein. Ouna, me regarde pas comme ça, on a des vrais soucis de conjugaison avec du ER, du... Moi, c'est moi qui les banne. J'en ai rien à foutre.
J'en ai absolument rien à branler. Tu viens sur mon stream, premier message que tu mets, c'est « t'es éclaté, frère ». On revient exactement au fait de se dire, justement, que je laisse parler les gens. Désolé, désolé, ER. Non, mais c'est pas possible. C'est des gens qui, tu vois, ça va être une souffrance. Moi, je le fais pour vous aussi, de ne pas laisser ces gens revenir, tu vois. C'est, je les sens, quoi. Oula. Alors, remercie mieux Slane, toi. Merci mieux Slane, toi, là. Te merci mieux Slane, toi, là. Il a même pas copié-collé, le gars. C'est-à-dire qu'il a réécrit 4 fois un message incompréhensible, quand même. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Te merci mieux Slane, toi. Suivi d'un je rigolais. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Non, mais c'est... ah non, mais qu'est-ce que... non, mais juste un Théo. Ouais, je devais être en... je sais pas, je ne comprends pas... À partir du moment où je comprends pas le gars qui me spam, moi, je... non, j'avoue que j'aurais pu lui mettre un time-out. Mais en fait, parfois, j'avoue que je vois ces messages-là. En fait, là, je vois ça, tu vois. Je le vois une fois. Je le vois deux fois, je le vois trois fois. Je clique pour aller le ban. Je clique sur son profil, je vois que c'est ses 4 premiers messages, c'est ça. Tu vois. C'est vrai que tu te dis... en tilt. Non, là, je suis pas en tilt. Mais... tu vois, là, vous êtes 10 000. Donc, du coup, t'as remercié Slane. Je l'ai pas remercié. Hein. 11-11, c'est quand? Non, c'est même pas The Event. Tu vois, c'est... il a que le permat de bind. Tu vois, 4 en une minute, tu es en mode, bon, je rigolais. Pff, en même temps, il fait de la peine, je rigolais. Mais putain, il rigole solo, quoi. C'est... par pitié, tu veux pas faire une OP avec des profs de français. Parce que ah, parfois, c'est... Ah, je sais pas ce qu'on en fait de lui. Parce que lui... grosse plus-value. Bah, après, tout le monde, le but, c'est pas que tout le monde soit ingénieur et nous sorte des thèses, tu vois. Mais là... on peut lui mettre un bracelet. Je pense qu'on peut lui mettre un bracelet pour voir, tu vois. On lui met un... Maintenant, c'est des vrais... une dictée en live. C'est vrai qu'on devrait en mettre 4-5 en dictée. Oh, concept de ouf. Concept de ouf. Les pires mecs, je les mets en dictée. Le gars qui a la meilleure note à la dictée est des bannes. Oh là là. Le goulag. Le goulag du tribunal. Oh non, mais c'est... ah, c'est incroyable. Ah, lui en fait partie. Lui en fait partie. On a notre premier candidat. On a notre premier candidat. En fait, de base, Neil... il voulait faire une arène, mais je lui ai dit, je vous en avais déjà parlé un peu. Il voulait faire une arène avec les bannis et qu'ils se battent comme des gladiateurs. Je lui ai dit, Neil, je pense que c'est pas, ça va être compliqué à faire passer, ça, tu vois, parce qu'il va y avoir du sang, il va y avoir des morts et tout, tu vois, ça va être un peu... ça va peut-être être un peu dur, tu vois, que ça soit accepté, que ça soit... je sais pas, si juste pour ce... pour ce te merci mieux, Slane, toi, on doit vraiment lui mettre une épée dans une arène, je sais pas si c'est pas... Go les humilier, trop smart. Oui, merci Sebi. Sebi qui nous a fait un bouquin sur la bienveillance et comment bien se comporter en société. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Parce que c'est vrai que, voilà. C'est... non, sinon, ça aurait été chiant. Sinon, je te le dis, je ne savais pas comment me placer. Donc, le problème, c'est que les gens vont faire exprès de se faire bannir pour ça. C'est vrai que là, le petit CE pour se faire bannir, Friton, hein, je suis pute qu'il y a peut-être quelque chose là. Azargor, merci pour le sub. Ils vont tricher. Non, non, mais on verra comment c'est fait. On verra comment c'est fait. Non, mais quoi qu'il arrive, encore une fois, hein, les gens qui viennent juste pour venir sur... mais faudrait que j'active, je pense, le truc d'IP et tout, là. Comme ça, si vraiment t'as été permaban et que... Parce que ça, c'est des gens qui sont permaban, hein, de base. Tout ça, là, c'est des gens qui sont permaban et ensuite, ils reviennent, justement, dans le tribunal, tu vois. Donc, non, moi, annulons. J'annule aussi la décision de Gladiateur, mais... Oh là là, mais putain... C'est marrant. En fait, t'es nul comme streamer. T'es vraiment nul. Claqué au sol, j'ai juré. Nique ta mère, wesh. C'est pas possible, ça ne peut pas être moi. J'ai l'air trop con, je suis désolé. La réflexion est rigolote, quand même. Je dois avouer que la réflexion est... la réflexion est rigolote. J'ai envie... Je vais lui mettre un petit bracelet. Petit bracelet pour la suite. Non, mais là, en même temps, c'est vrai que sur ces 4 messages, tu te dis pas... C'était quand? Ah, c'était en 2019. Non, mais c'était décembre 2019. Petit bracelet. Tu vois, là, parce qu'il y a ça aussi, hein, y a le temps. Parce que c'est vrai que moi, je vois... On est quand, là? C'est il y a 2 ans, décembre 2019. Putain, le Covid, d'un point de vue temporalité, chronologie, c'est... Il a pris 2 ans de tôle, il est sincère. Petit bracelet, si jamais il rechute, tu vois, mais... Attendez, je vais mettre un petit F5. Alors, parfait. Ouh là là, putain, qu'est-ce qui se passe, là, ici? Ah, c'était 7 minutes, là. Attends, quoi? Ah non, c'est un mec qui a voulu se faire des bans. Ah ouais, non, mais je vais pas faire ça parce qu'on va pas utiliser l'odeur des feeds de Pokémon. L'odeur, voilà, rejeté. Hop là.
Reste là où t'es. Non, parce que sinon les gens en live vont vouloir faire le truc et tout, c'est infernal. Alors, du coup, donc là, c'est les gens il y a plus longtemps, il y a 8 mois. La transi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux venir là? Viens là si tu veux. Viens là. Alors, savoir plus. Ah là, tu peux, d'accord, tu peux pas remonter plus. Alors, yo, deuxième émission en direct pour la part. Qui veut le retour de Sardoche? Le logiciel Amazon qui fait peur, le fast, trop cher, la Xbox. Mec, si tu lis ça, t'es juste le boss en fait. Jijou, la sacoche, all-in, Jijou, rip le missile de Jijou. Vraiment les meilleures soirées. Pour l'instant. C'est un viewer exemplaire. 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement vodka. Pas de badois, bien sûr, PLK, des bonnes refs. Bien joué, tu gagnes un maillot dédicacé de Germain, c'est pas Jijou. Go battre le record du monde de Train de la Hype. T'as peur, PA, en vrai, c'est un manga, putain. Il est fan d'un manga, voilà. Il fallait pas, on a dû dire animé, il fallait pas. Bashingono, étoile MVP, étoile le god, what the fuck, étoile F, c'est dommage. Bashingono, Bashingo, baby. Peut-être ça peut commencer à bash. Goal. TF, let's go, MDR le boss, c'est tendu, 4-4-2 avec le Xav, ça propose en plus, tu vois. T'es pas ban, mec, quel dommage, 4-4-2, 4-4-2, c'est vraiment les dogs, des dogs devant, le sacrifice paye, ce soir on bouffe du tekel, voilà. J'ai mute, so long, je m'en balèque, caca. Non, mais parfois, en une nuit, hein, un gars a chopé le Covid et pff, on l'avait jamais vu encore ce symptôme, mais en une nuit. En une nuit, ça l'a... Non, ça l'a emmené, quoi. Ça l'a emporté. Ça... Ah non, mais parfois, vraiment, je vous dis, hein, c'est... Pff. Troisième dose, hein, peut-être, on y pense, là. J'assume mes responsabilités d'enculé. ER. Je promets... Bon, c'est pas grave, la faute. De... Oh non. Oh là là. Bon, après, j'en fais des fautes aussi, mais là, c'est vrai que le ressaisir, là... Oui, je vous promets que je vais me ressaisir. Si je vous le dis, je vais me ressaisir. En fait, le mec était bien tout le long, mais... Non, tout le ressaisir. Non, mais tout le long, il a été bien. Juste, il y a eu un craquage, quoi. J'avoue que... Non, non, on annule. Pas possible que ce soit la même personne qui écrit. Ouais, c'est vrai qu'il y a craquage, là. Il est 22h30, le 6 avril. Tu vois, la veille, c'est quoi? C'est Popcorn, en plus? Ah, c'est peut-être Popcorn. Parce que si le 5 c'est FC Silmi, c'est un lundi, donc mardi c'est Popcorn. Et le truc c'est que Popcorn, il y en a peut-être de temps en temps, tu vois, qui sont dans un mood où putain, il y a tellement de gens qui parlent ou autre que vas-y, ça doit être le petit frère. On le débanne. Il a été très. Oh bon, oh là là, niquez vos darons, bande de payword. Oh non, mais attendez. Suivi d'un compte hacké. Comment ça? Mais on est où là? Comment on est où là? Bon, c'était 2017 après, hein, mais. Compte hacké. 2017 joue en sa faveur, mais qui se fait hacker son compte, récupère son compte? Genre, tu te fais hacker ton compte Twitch. Moi, j'ai des comptes, j'ai un compte live, c'est @live.fr, il est hacké, je ne reviens pas sur le compte, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas mon compte où demain, je vais débarquer sur Pablito 92320, je sais pas quoi, @live.fr, et me dire, yo les gars, ah désolé, tu vois, genre 7h36, tu streamais. C'est vrai, qu'est-ce que je foutais en live à 7h36? Mais, ah non, mais c'est toujours buggé ça? Parce que là, c'est banni le 26-07. C'est toujours buggé, peut-être. Donc, il y a peut-être beaucoup... c'est un ancien ban avant la feature. Ah, il date. Mais du coup, pourquoi il y a un ban? 92-320, Châtillon, on est là, Maison Blanche. Puis le hacker, il dit, non, mais ouais, c'est ça, quoi. Le compte hacké, moi. Si hacké, compte mort. Et puis, c'est tout. Non, mais les gars, là, c'est pas un concours pour savoir qui écrit le plus mal, hein. Restez focus, hein, quand même, hein. Parce que j'ai pas... à chaque fois, je sens que ça donne envie à des gens. C'est le hacker qui te dit ça, c'est l'ancien proprio qui t'a insulté. Ah oui, bah là, lui, il est sur le nouveau compte, maintenant. Willy, c'est le hacker. Oh, c'est trop compliqué, cette histoire. C'est trop compliqué. Je trouve qu'il y a pas assez de preuves dans le dossier. Du coup, il ne sort pas de prison. Paka, merci. Alors, par le mal de criminel, gros, c'est folle, c'est mon frérot, je suis dans son club. Marche retour, FC Silmi vs 4ème Riche FC. Tu connais Moa, le criminel, c'est celui qui t'a fait un boulot. T'es une merde ambulante. Je m'excuse, je me suis emporté. Mais Rémi, qu'est-ce qui se passe là? Ça tenait le four et d'un coup... Non, mais qu'est-ce qui nous arrive ce soir là? Non mais... Mais putain... Mais putain, Rémi... Ah Rémi, mec, t'as commu que des ploucs. Non mais attendez. Non mais là, c'est sûr que là, il faut pas que je me fasse bait ce soir. Oh, le mec, il a 3 bans, celui qui a dit ça. Vous êtes tendancieux, hein.
ceux qui se font ban se font souvent ban régulièrement, tu vois. Moi, on parle pas mal de ma commu. Attention, je vous défends. Je vous force à être respectable, mais derrière, je vous défends. Non, mais bon, ça, c'est ban, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est pas comme si, tu vois, l'autre, par exemple, il m'aurait fait une petite phase Moa, tu vois. Je me dis, bon, le gars, voilà, il a vrillé, mauvaise fréquentation, il a commencé un peu à être bresson. Mais avant c'était, on peut le rattraper. Là, on ne sait pas, on ne connaît pas. Alors, là, justement, on a de l'historique. L'historique, c'est pas mal. Abana. Alors, Abana, ça a commencé comment, Abana? Ah, Abana, 59 messages au total. Jerry, très bien, Abana. Non, il est nul à chier, t'inquiète. Respecte la SSE, par contre, FDP. Pac, FDP. On sent que c'est quelqu'un qui aime bien jouer avec la limite, tu vois. C'est quelqu'un qui a compris que ce mot-là a été kick. Il vient tourner autour des limites, il veut se tester. Il a besoin qu'on lui mette les limites. Il est au Gotha. C'est reporté à quand le match avec Gotha? Non, mais c'est pas niveau gold, là, c'est bronze. Je suis sidéré que ce soit niveau gold. Je pensais vraiment que c'était bronze. C'est cross-platform, mais uniquement si tu joues avec un mate cross-platform, je crois. Ça, c'est cool, tu vois. Parce que là, on pouvait se dire que c'était une grosse merde, tu vois. Là, sur les quelques messages, on se dit, tiens, un mec qu'on n'a pas envie de voir. Là, c'est cool, au moins, tu sais, il donne une info. Il n'est pas que dans. Il n'est pas que à te traiter de FDP ou à te dire que t'es à chier. Ce qui est pas dégueulasse. Je suis sur PS4, comment on fait pour jouer contre des gens PC pour gagner plus de games? Délu un peu. Les trains, gros problème son, gros bug son. Le son bug énormément. Mais t'es trop con. Pire joueur Among Us. Petite soirée, ça fait plaisir. Gros tricheur. Il y a un truc qui a changé chez Marie, mais je vois pas quoi. Les sardes encore une fois sur la touche. Acquitté. T'as la gâchette facile. Ban perma incompréhensible. Non, ça mérite pas un ban. Archi pas mérité le permaban. Si on a compris, le ban perma est pas mérité. Pas mérité encore, MDR. Oui, toi, tu as envie d'insulter tout le monde et de mettre des gifles avec des godes aux gens, quoi. C'est ça ton. Le monde d'Abana, c'est ça, quoi. C'est être franc, c'est une qualité, MDR. E-girl, c'est pas négatif. Rapport avec e-girl. Ça, c'est un truc hyper fréquent. Chez les mecs, quand on parle de ce genre de truc, les gens ont une fixette, tu vois. Là, j'avais dû dire, bah, justement, un gars qui avait dit e-girl, tu vois. En mode, Marie, quelqu'un qui avait dû dire, je dis un exemple, Magla, c'est une e-girl sur Popcorn, tu vois. E-girl qui est quand même connoté négativement, tu vois. Et du coup, ces mecs-là, ils sont dans un truc où ils rentrent ensuite sur un truc à s'accrocher au truc et à vouloir. T'es genre, et à dire, ok, là je lâche plus. Comment ça, e-girl, c'est négatif? Comment ça? Mais vas-y, mais là, pourquoi tu. T'es genre, et c'est exactement ce truc-là, tu vois. Tu dis par exemple que peut-être enfin, tu sais, dans l'ensemble, les femmes se font harceler, tu vois, dans la vraie vie, sur internet, tu vois, plus que les hommes, ils vont dire, quoi? Et cet exemple-là de mec, là, il s'est pas fait harceler, lui? Ouais, mais c'est pas le. C'est exactement ces gars-là. Merde, j'ai décroché. Alors, du coup, il revient deux semaines après, tu vois. Il revient deux semaines après, bon, là, c'était la veille de Noël, tu vois, donc. Alors, 16 avril, non, c'est le live, faites du bruit, je vous entends pas, menteur pharisien, gênante, Magla, Fennec, pourquoi Sard est absent encore une fois? Ils viennent nous emmerder même dans l'espace, toujours pas de Sard, ça dégoûte. T'en entends, il y a un truc. Oui, bah concrètement, tu restes un hypocrite, hein. Mais tu te prends pour qui en fait? T'es hyper condescendant, t'es juste une lavette de gauche, t'es un hypocrite, c'est tout. Je m'étais un peu emporté, excusez-moi de ce comportement, ça ne surprendra plus. Non, mais en fait, là, ce gars-là, c'est grave un exemple, c'est vraiment ça, tu vois. C'est souvent. Tu sais, c'est genre une réalité de gens, genre. Je sais pas s'ils se créent une réalité ou autre, tu vois. Ou alors qu'ils ne comprennent pas aussi le rappeur au streamer, tu vois. Dans le sens où je considère que je suis quand même vraiment pas un mec qui se la pète, tu vois. Je suis un mec plutôt humble, etc. Et c'est important. Enfin, j'ai pas envie de le devenir et c'est important pour moi, tu vois, de pas être une merde, quoi. De pas être un enculé, j'essaye, tu vois, au quotidien de. Mais du coup, il y a des moments où tu dois fixer des limites, tu vois, et poser des bases ou quoi, parce que vous êtes un contre 13 000, donc sinon tu te fais marcher dessus, quoi. Mais ça, c'est typiquement les mecs, tu vois. En vrai, de tous les messages, bon, là, il prévient, il n'y a pas de souci, tu vois. Les bugs sont, t'es trop con, pire joueur Among Us, tricheur, machin, pour dire Sard. Là, le gars était concrètement en désaccord avec tout ce que j'ai dit, tu vois. Et il n'y a que le message, je crois, où il dit ça. C'est cross-platform, mais uniquement si tu joues avec un mate cross-platform. Qui juste est pas. Et pas de, dans du. Ah, mais c'était un bon exemple, tu vois, de. Non, pour le coup. Alors, nique ta mère, désolé. Oh, il a paniqué, quoi. Oh, mais c'est récent. C'est récent. Ça fait même pas un an encore. Non, faut rester là-bas. Ma maman, elle est gentille, elle mérite pas ça. Ouh là là, on a quelqu'un là. On a Noé. Il a un avis bien tranché. Non, mais. Comment ça? C'est pas. Je vous répète, hein. Avoir un avis bien tranché ne fait pas quelqu'un. Enfin, de vous, quelqu'un de bien. On a déjà eu ce débat et j'ai l'impression qu'à chaque fois, le tribunal, c'est ça. Ça veut pas dire parce que vous avez un avis tranché qu'à tout prix, il faut justement peser le pour et le contre. Ça peut être intéressant quand même de nuancer les propos. Mais je le répète, hein. T'es pas une grosse merde
si justement parfois bah t'es un peu entre les deux, tu prends une proposition, un truc qui est intéressant, l'autre est aussi intéressant, ah je suis un peu au milieu, tu vois, c'est important hein, quand même de pas dire soit t'es dans les extrêmes, soit t'es une grosse merde. C'est, on rappelle quand même, hein, que, s'il vous plaît. Noé, qu'est-ce qu'il nous fait? Noé, il aime les crustacés. Noé, ensuite, il roule sa tête sur le clavier. Désolé, mon clavier avait bug. Ah, il nous l'attend, hein, Noé. Noé, quoi. Le nono, on n'a même pas envie de... On n'a pas spécialement envie de sourire, nono, sur son message d'excuse. On n'a pas spécialement envie de se dire que... T'es genre... Là, honnêtement, ça, le mec me dit, putain, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je le débanne direct. Genre, direct. Mais le... désolé, mon clavier avait bug. Suivi d'une petite... Enfin, vraiment, ce qui est fou, c'est que le clavier n'a pas bug du tout pour son message. Abonnez-vous à mon Insta, il a peut-être bug là sur le mot, mais... Abonnez-vous à mon Insta, clac, l'Insta ça a pas bug, et ensuite bam bam, ça bug, tac tac, boum. En plus avec un peu de, c'est quoi, c'est BD, KR, pas des touches si simples, hein. IE, c'est des items de l'homme en fait, JF, mais oh Noé, Noé, il... 14 mars 2021, non 14 avril pardon, ça fait un mois qu'on est confiné, on est au bout de notre vie, Noé, je te mets un petit bracelet, je te débanne. On va voir ce que tu donnes par la suite. On a tous eu des moments difficiles. Dans le confinement, il n'y a pas de problème. On te l'accorde, j'ai envie de l'accorder. Alors, qui est-ce qu'on a? Cracky Leroux. Domingo, hello, le prends pas mal STP. Mais quand est-ce que tu fais un autre jeu pour les personnes qui aiment te suivre mais n'aiment pas FM? Bon, quelqu'un qui n'aime pas FM, c'était il y a 2 ans. Donc, moi j'aime Domi mais pas FM. Où est la prog? Que du FM aujourd'hui? Du mal avec FM. Bon, il remet son message. Point d'exclamation, programmation. Lis les commentaires ici. Oh, il y a 6 commentaires de Modo. Je crois qu'on a quelqu'un ici. On a un client. Cracky le crew. Le client. Sniff, sniff. Le cossé. Le coquet, peut-être. Le cossé. Je sais pas. Pourquoi tu fais que du FM? Stop FM. Prochain tour, joue tes cartes. Merci. J'ai dégagé. Il y a moyen de te mettre bien sur l'orange. Joue tes cartes. Non. Dofus. Magla horrible. Je suis SDF. Je vis dans la forêt, donc chill. Macron, pète-moi le fion. Comment t'es trop nul à code? Sard démaquillé. Heureusement qu'ils construisent un mur. Elle a pris Noël. Elle a pris après Noël Marie, quoi. Elle a pris après Noël Marie. Ah, donc là, il est clairement juste en train de. Il est clairement juste en petite analyse de putain, alors, niveau poids, il est comment Marie? Un cauchemar. Il y a peu de gens, tu vois, qui me. Quand je grossis, quand je. C'est vraiment le. Dommage, pas fan du casting ce soir. C'est pour ça que je reste. Ah putain, je me dis que ça venait d'un endroit que je connaissais. Bête top 13. Top 1 à top 12. Ok, donc ça c'était un cheat. iPixel, non, ça va pas. Tu me subs sur ta chaîne. Le live 2.0. Ouais, non, là le mec se fait kick 2-3 fois. DV1, 2-2. Ok, il roule sa tête. Dommage que Sardoche, le Cherno de Bergerac de Popcorn soit plus présent. Team Pax, bon, joue. Oh, j'en ai plus rien à foutre, moi. Moi je lui ai mis sa part. Après, j'ai mis sa part parce qu'il avait déjà plusieurs bans au cul, quoi. Commentaire de Modo. Alors, si on prend au plus loin. Hello, le prend pas mal, machin. Plusieurs fois, plus top FM. Comment t'es trop nul, un juste avant, il n'est pas. Unban entre temps. Ah, donc il a été plusieurs fois unban, quoi. Elle a pris après Noël, machin, Marie, dommage que. Bonjour, pendant que Père parle avec le chat. Non, mais le gars a été ban 5 fois, quoi. Enfin, il a été ban. Enfin, là, il a été kick. Là, il a été permaban. Il a été unban. Non, mais elle a pris après Noël, etc. Oh là là. Il a juste dit bonjour. Oh, mais on est où? Ça s'en va, ça s'en va. Oh non, on va être ferme aujourd'hui. On va être ferme. Nouvelle personne. C'était même pas un cas intéressant, pour le coup. KQZ God. Petit Naruto, les commentateurs. 2018, hein, quelqu'un qui nous suit depuis longtemps. 15 septembre 2018, j'ai pas souvenir. Luciano Vietto, ça c'est mes scouts, ça. Ça c'est mes scouts sur FM. Soyez chauds, en janvier, je compte sur vous. Que des streamers pour cette LAN. Vicieux, moins 39, la merde pour moi. Vicieux, moins 39, ok. Recherche, non surtout pas, toi, tu m'en donnais envie d'y jouer, je viens de l'acheter. Je suis un influenceur de qualité. En vrai, simule pas, tu pourrais faire des bonnes notes, frérot. Ok, donc là on est dans un jeu. 80E le G. On est sur un tarot de drogue, apparemment. Contre TFT, Dofus, Rocket League. Ah, ça, c'est quand on devait faire des sondages en mode quel jeu contre quel jeu. Faites saison 1v1. La moustache te va trop bien. Sart, si je le croise dans la rue, je le balaye. Oh, y a pas besoin. Ignore, Sardoche. Pourquoi tout d'un coup? Sart, toujours aussi relou. Vivement qu'il stoppe Popcorn. Sardoche, quelle merde. Je me suis laissé emporter. C'est quand Sardoche pleurait que personne l'avait écrit pour être dans un groupe. Je ne le referai plus, promis. Oh, les deux chapeaux qui aident pas, quand même. Les deux chapeaux qui aident pas, quoi.
Lequel merde Là, le truc, c'est que tout le reste, il est bien. Là, le gars, c'est un gars qui déteste Sard. C'est un gars qui déteste Sard, mais qu'on déteste Sard ou qu'on n'aime pas, je te dis pas une connerie, Rivenzi, c'est des gens qui sont genre sur mon stream et que j'ai avec moi. Donc, si jamais quelqu'un tu n'apprécies pas, ou le casting hein, de Popcorn, ça arrive souvent, j'aime bien hein, en ce moment, là, de plus en plus, faire tourner, tu vois, un peu les castings et tout entre différentes personnalités. Si des gens te plaisent pas ou la soirée te plaît pas, il n'y a aucun souci, tu vois. Et, mais du coup, il le fait en zéro respect, tu vois. Il est en mode, là, le, si je te croise dans la rue, je le balaye. C'est quoi, on n'est pas au stade des menaces, on parle de harcèlement, etc. Harcèlement, c'est à tous les degrés. Hein, donc, je me suis laissé emporter ce qu'en Sardoche pleurait que personne n'avait écrit pour être dans un groupe, je ne leur ferai plus. C'est. Même si ça ne plaît pas, qu'il ne regarde pas. On sent qu'il regrette. On sent qu'il regrette, mais c'est juste qu'il y a un moment où. Est-ce qu'il a déjà été kick ? Là, il aurait dû être kick, là, par exemple. Là-dessus, tu vois, il doit être kick. Donc, il est follower depuis 2018. Donc il a quand même 4 ans de follow. 4 ans de follow, il y a un gros craquage quand même ici. Hein. Il a pris combien ? Il a pris 9 mois pour le Sardoche quelle merde. Honnêtement, le Sardoche quelle merde, il a pris 9 mois. Donc il est aigri. Mais en fait, il déteste Sard juste, tu vois. Mais juste si tu détestes Sard, tu ne regardes pas, tu vois. Tu n'écris. En fait, c'est comme d'hab, t'aimes pas quoi. Enfin, quand t'aimes pas, tu dis pas Tu dis pas justement juste que tu l'aimes pas, tu pars juste, tu vois. Mais la menace, c'était pas fou quoi, quand même. La menace, c'était il y a un an et deux mois. Soyons honnêtes, dire publiquement dans un chat j'aime pas un tel, c'est être toxique. Bon. Apparemment, t'as un problème avec Sard. Tu peux l'avoir. Très bien. Tout est dans le fait. Oh là, c'est de la merde cette phrase. Hein. Oh là, on part en phrase de merde là. De le garder pour toi. Si jamais j'invite un streamer. Là, je pars en phrase de merde. Hein. Un streamer que tu n'apprécies point. C'est de la merde en fait. Bon. C'était de la merde ça. C'était de la merde, c'était à chier. Si jamais on revoit une insulte ou propos déplacés. Sur Sard, n'importe quel autre streamer, l'aventure s'arrêtera là pour toi. Voilà. Alors là, c'est bracelet électronique très intensifié, tu vois. Bracelet trop gentil, juge Domi. Bah, c'est la première personne que je débanne, hein, je crois. Tu peux pas unban ça. Ah, il a dit une fois quelle merde, tu vois. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu Georges Le Balay. Juste, il était en hardcore. Donc, il était en hardcore. Moi, je pense que c'est un truc d'apprendre aux gens. En même temps, là, c'est vrai que là, j'ai été clément. J'ai été clément, tu vois. Parce que là, j'avoue que j'ai été clément, là. Mais parce qu'on sent que... En fait, il y a un truc où... Ça doit être des trucs où j'imagine que même dans ce chat, il y a beaucoup de gens qui ont déjà, par exemple, que ce soit bien parlé, mal parlé. En fait, ça, ce qui est trop chiant, c'est que c'est les deux extrêmes. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment des gens qui l'ont insulté. Qui l'ont insulté, etc., notamment sur Popcorn, tu vois, parce qu'ils le détestent, et des gens qui sont en mode, bah, en fait, dès qu'il est là, c'est Dieu absolu, s'il est pas là, les mecs sont en mode, putain, mais pourquoi y a pas Sard ? Pourquoi t'invites plus Sard ? Sale hypocrite de merde ! Sard est... Donc, c'est juste comment tu doses un peu pour faire comprendre aux gens qui n'aiment pas Sard que, bah, en fait, c'est pas toi qui va décider, quoi. Si t'aimes pas Sard qu'il est là, bah, en fait, mec, il est là, donc c'est... si je l'ai invité... Techniquement, je t'ai dit qu'il y avait le stream, mais je t'ai pas invité toi, quoi, tu vois. Donc c'est comment faire comprendre à ces deux extrêmes de, ok, comment on coexiste, tu vois. Donc, y a pas d'entre-deux. Bah si, y a quand même beaucoup d'entre-deux. Et encore heureux, quoi, mais... Mais de toute façon, il a le bracelet électronique plus. Le coach bavure. T'es lourd, PA. Quand tu critiques Rive, alors qu'en 8 heures chaque semaine, tu fais moins de belles actions que Rive sur chaque match. C'est pas ma bonne. Voilà. C'est la vérité, je regarde Rive en même temps et même lui tire un peu la tête. Ça, c'est les gens qui cassent les couilles. Je suis désolé, mais c'est les gens qui s'offusquent pour les autres. Je le compare. Alors là, c'est différent, mais on fait que se tailler tous les uns les autres, tu vois. Genre Rive, quand je loupe un ballon et une taille, machin et tout. C'est exactement ceux qui ont vu là, le truc Raoul. Téléthon, j'appelle le mec Raoul, il s'appelle Edgar, tu vois. Le truc marrant, etc. Tu vois, je raconte le truc, tout le monde rigole. En vrai, je suis hyper maladroit, c'est drôle. Des mecs qui viennent et qui sont en mode « Attendez, excusez-moi là. » Donc là, en fait, ce qui est marrant, c'est que concrètement, on se moque d'un handicapé. D'accord. Et là, tout le monde est en train de rigoler. Ok. Et le mec
vient s'offusquer pour l'autre, tu vois. Or que, concrètement, le Edgar, genre, il a répondu au poste, il m'a fait « Mec, t'inquiète, y a aucun souci et tout, ça m'a trop fait rire et compagnie, tu vois. » Et genre, et c'est exactement ce truc-là qui parfois est problématique, tu vois, qui viennent en full white knight des autres, et t'es en mode « Mais gros, en fait, c'est toi qui parfois crée le problème, tu vois. » Et... Bon, lui, c'était quand ? C'était en avril. Bon. Bon, c'est vrai que c'est hardcore. J'annule. Mais moi, ça me tilte. Ça, c'est... Non, mais là, c'était hardcore. C'était hardcore, j'étais tilt. J'étais juste en mode, tu sais, on est en train de rigoler, tu vois un gars qui est en train de dire... C'est pas comme si on était en froid avec Reeve ou qu'on s'envoyait des pics. C'est le concept du FC Elmid. Dès qu'un mec loupe un dribble, on s'insulte, quoi, tu vois. Donc quand le mec est en mode... Là, juste par contre, Étoile, ça le fait aussi, tu vois. Étoile, c'est pareil. Étoile, tous les débuts de session, je propose à Étoile, frérot, je sais que tu vas te faire chier en défense. À un moment, tu vas plus en pouvoir. Si tu veux, on prévoit un swap, tu vois. Et après, il y a les gens qui viennent sur mon chat en mode... PA, enfin... Vous êtes un peu lourd avec Étoile, quoi. Enfin, toute la soirée, il fait la défense et... Enfin, là, sur son live, il est vraiment pas bien, quoi. Il est vraiment pas bien et j'ai l'impression que vous en avez rien à foutre, quoi. Donc, si au moins, il pouvait faire une petite game en 10... T'es en mode, mes frères, enfin, genre... T'étais là, t'es... Bon, du coup... Et là, on a trouvé un bon... Et c'est exactement ce qu'on a fait lundi. Et du coup, il l'a dit et c'est passé, quoi. Mais ces gens-là, parfois, c'est... Bah, il le sait pas, le mec. Bah, s'il le sait pas, il vient pas me le dire, du coup. Non. C'est pas mal quand on sait pas de pas dire. Genre, c'est vraiment pas un problème. Genre, il y a plein de trucs que je sais pas. J'essaye, en tout cas, au maximum, de pas dire quand je sais pas, tu vois. Genre, c'est con, hein, mais de pas tenter, tu vois, si tu... C'est pas mal, tu vois, C'est un truc qu'on a oublié un peu, hein, parce que c'est vrai que c'est propre de... Et parfois, moi, j'avoue que parfois, j'ouvre ma gueule sur des trucs que je connais pas trop, mais... Ouais, j'essaye pas trop, tu vois. Le sport, on fait des petites analyses, alors que... Mais de temps en temps, c'est quand même pas mal. Mais bref. Débanne le BG. Non, mais je les débanne, l'autre, hein. Y'a pas de soucis, hein. Bizarre, le ban, là. Qui ça ? C'est moi ou c'est nul ? Hein ? Qui ça, vous dites ? Ah, mais l'autre est débanne, hein. C'est fini, hein. J'ai dit que c'était... J'ai juste tilt, hein. C'était pour expliquer dans la globalité de parfois des gens, tu vois, qui viennent en disant... plus ou moins la même histoire avec Ultia. Pas la même chose, quand même. Pas la même chose, et je pense que même si tout n'était pas accurate autour d'Ultia, ça a permis quand même de mettre quelque chose en lumière et de faire prendre conscience à des gens, que ce soit streamer ou autre. Ah, lui, là, Latic, on veut la stash. Qu'est-ce qui est passé à les potos ? C'est quoi ce jeu ? Je pense que les cloches servent à rien. Envoyez les dons, faites péter les dons. Un mec chaud du The Event. Yo, hola, OMD. C'est pas maintenant le FC Simi, c'est moi ou c'est nul ? Ah non, ça c'est kick, ça. Je suis désolé, c'était du troll. Oh non, il est mignon, lui. Oh non, pardon. Non, ça, normalement, c'est kick, tu vois. Le c'est moi ou c'est nul, alors que t'es en train de faire un live, tu vois, c'est prendre un petit 10 minutes, tranquille. Ça, c'est annulé, ça, le bannissement. Pas de souci. Pas de souci. Nouveau dossier. Senku Ashura. Senku Ashura, compte créé août 2020. C'était la game de chauffe. Coupe les cheveux de ton personnage, ça fait du frottement dans l'air, donc il est moins rapide. Minecraft, bon, je viens de me réveiller, c'est chiant de pas voir ses mates. T'as mis à côté, t'as le permis, level se résume aux entrepreneuses, pour répondre à ta question, je capte rien, arrive en défense ou là. MDR sa tête, donne la balle. MDR ponce, grippe TDR. BN, banward nul, ponce aussi se fait tailler, BN, parce que ça c'est quand on essaye de 5h20 du matin, hein, putain, l'enfer les sessions. Quand on essaye de... Il y a des moments où il y en a, ils prennent tout sur la gueule, tu vois, FC Simi, donc on essaye de doser pour... Alors, Wesley, Mbappé. Alors, Mbappé, MDR, il a changé. Mbappé. T'as regardé Mbappé ? Félix, on dirait pas un peu caca ? Mbappé. Mbappé. Je disais du spam de Mbappé, je reconnais mon cul inférieur à la moyenne. Bon. Il a vrillé, c'était quand ? 21-04 ? Non, je sais même pas quand c'est. 21-04, faut être quoi ? Avril ? Fut ? Peut-être fut sur une draft. Ah, mais en même temps, la draft, là, enfin... Bon, allez, ça, c'est du spam, il s'en est rendu compte, ça arrive. Ça arrive, y a pas de problème. Ça débanne. Truc de spam, si tu t'en rends compte et que tu fais pas ça régulièrement, tu vois, ça va. Mbappé t'aigu. Y'en a, il craque. Du coup, t'avais regardé Mbappé? Je pense pas. On voit R. Accélère, putain. On a faim, nous, on mange. En vrai, il est chaud. Tu connais le nombre de francs prix à Paris, frérot? Tout le média game est dans le 9-10e vers Poissonnière, Cadet, Paradis. On est en 2030, là? Le coaching biseau, ça va le faire. Nul, le latéral droit. Ouais, Chili ou Sardoche? So gay. MD1, Domingue Fiot. Ok, bonjour. Serge Hartman. On dirait que le mec va au taf. Faut se déplacer aussi, frère. 88, 6 kilos. Tout le monde aime les fleurs. MDR, quel mytho. C'est la base. T'es claqué au sol. Oh non. Parce que, bon, on est sur une classique bavure. Mais no joke, hein. Moi, je suis dans ce truc où
je laisse Domingo la bavure. Non, non, frère, je mets pas de sub mode. Je mets pas de sub mode. Genre, c'est pas pour me retourner. Genre, voir dans mon chat, genre, que je suis claqué au sol, tu vois. Genre, mais le un peu d'humour. Le un peu d'humour. Le un peu d'humour quand le mec t'a envoyé t'es claqué au sol. Je vais devoir refuser ça. Je vais devoir refuser ça, les amis. Et je comprendrais entièrement que vous trouviez ça... Ferme-la, Fortnite. J'ai bien réfléchi, je n'aurais plus un comportement grossier. Enfin, ferme-la, premier message, c'est instant de permaban, maintenant, moi. Je suis en mode, genre... c'est de instant. C'est genre nécessaire. Ferme-la, bah ferme-la, bon. Après, lui, il a pris un an, il a pris un an et demi, on peut annuler, quoi. Mais tu vois, c'est permaban, et le mec, si jamais c'est un gars, bon bah il peut revenir, quoi. Mais t'es trop nul, FDP. Mais c'était une ref à un mème. En aucun cas, je voulais insulter. Comment ça? Moi, je trouve ça naze. Même si c'était un mème. Les mèmes, on n'en peut plus. Hein. Les mèmes... Ah, j'ai la ref, en vrai. C'est juste un mec qui dit t'es trop nul, FDP. Du coup, c'est un mème. Un mème de ouf. C'est un mème bien agressif. Vous l'avez pas? Bah, c'est énorme pourtant. Alors, vous tapez sur YouTube, c'est une rêve de ouf. Super Domi Joli. Super Domi Joli. Comment ça? Sans raison, on se fait chier. Sard 200 EQ. On appelle ça le tunnel d'opinion. Ça baisse chez les Sardes. Qu'est-ce qu'il y a fou, Nain? Énorme. Quel FDP? Le crack. C'est le boss, Sard. Les deux options. PTDR, Gozo, non, Zerator, c'était pas ton pote chez Eclipsia? Mauvais choix. Energy, Maxi Live nul à chier. C'est enculé. Maxi Live nul à chier. C'est quoi la dernière fois que t'as écrit Maxi pour un truc? Là, vraiment, il m'a dit, il est venu pour me dire que c'était un Maxi Live nul à chier, tu vois. C'est vraiment turbo nul, tu vois, c'est Maxi Live nul à chier. C'est un même, le Maxi Live nul à chier. Horrible. Ok, bah, il est repassé 4 jours après. Ça lui a toujours pas plu. Nice man, oui. Non, surtout pas, reviens. Oui, de ouf. Papier sulfu, invite-le sur Popcorn. Papier sulfu. Ça me fume que les gens soient... Tu sais, papier sulfu, là, je dois parler d'un truc... Pas deep, mais des trucs de cuisine, un peu, où... tu sais, on est dans un mood, tu vois. Donc, tu sais, ça te crée un... T'es une ambiance, tu sais. Et la veille, il était en mode « Maxi Live, nul à chier !» Et le lendemain, « Ouais, t'as ton papier sulfu, tu le mets au four ?» Ah non, mais faut surtout pas... Moi, ce que je te conseille pour le turbo, c'est tu le... Tu sais, genre... Tu sais, c'est... Les deux ambiances. Koro t'attend, nique la police du chat. Du tchatch. Ouh, c'est les mots, ça, c'est les modos. Rasmoquette, Ski Domingo, balle de tes plantes, 0 sur 20. Oui, permaban, go urf. T'as été monstrueux, sérieux. Go urf. Dog, bi, sus... Mes Miro, j'écris jamais dans les tchatchs. Oh non. Oh les tchatchs. Oh les tchatchs. Le tchatch va m'avoir. Il y a du monde dans le tchatch ce soir ou pas? Non, les tchatchs. Mais le tchatch, ça veut peut-être dire que genre. Parce que tu sais, l'expression t'as la tchatch, tu peux pas la connaître, je sais pas, à 20 ans. Genre, enfin, à moins de 16 ans, tu l'as pas, je pense, mais. J'écris jamais dans les tchatchs. Je sais vraiment pas la raison de mon ban, mais j'apprécierais de me faire des bans. C'était il y a 6 mois. Sus Mimi. Ça, vous comprenez un truc là-dedans ou pas? Sus Mimiro. C'est un truc que. Le maxi tchatch. Wow. Oh, le maxi tchatch qui est en face de moi là. Ça fait un an et demi. Ah non, mais putain, mais on est en 2021. Ça fait un an et demi. Mais je suis désolé, les gars. Je suis. Ouais, bon, un an et demi, il peut peut-être vivre, mais. On demande un bon comportement. Et vous le savez, il arrive. Dans le tchatch! Eh, bon comportement obligatoire dans le tchatch, ok, ce soir. Alors, Hunterminator. Le live a commencé, Neck Team 000. Voilà, c'est truqué. Domingo la salope. Bonsoir tout le monde. Trop jeune, trop con, désolé. Frère, y'a pas de soucis. 2018, décembre 2018. Ça se comprend entièrement. Rebienvenue parmi nous, ça arrive. C'est fou l'escalade. Simple, efficace. Alors, la commu FR, c'est quand même les plus normies, c'est grave, ça commence mal. Among Us, mon Call of.
Après, les chats FR, ils sont juste cringe. Tu fous quoi dans ta vie, gros? Tu fous quoi? Genre, honnêtement, c'est genre vraiment... Moi, je suis pas dans le délire, moi, des hors-chat Nao et tout, les délires de XQC et tout, c'est pas du tout mon style de... Mais du coup, trouver des gens qui peuvent parfois juste parler normalement, cringe, quand t'es en train de spammer des XQC au Mégalul. Pardon, petit aparté. Et voilà, en disant que les autres, c'est full normie. Ça, c'est vraiment le... Tu sais, le... Je suis comme ça, tous les autres sont chelous. C'est le standard. Maintenant, t'as des chats comme ça, full normie, ninja poggers, trois quarts des gens dans ce chat utilisent Facebook. Putain, t'as trop raison, frère. Mon gars, c'est cringe un peu. Mais le gars a un mojo, quoi. C'est-à-dire que le gars, il nous disait déjà ça début avril, on est 20 jours après, le gars vient que pour dire ça, quoi. Ça découvre 420 en 2021. C'est un mec, en fait, qui a découvert Reddit en 2015, et depuis, il a vraiment un temps d'avance sur toute la communauté française, quoi. Il peut pas vraiment s'assimiler à la communauté française, parce que, voilà, lui, il a compris avant que les States, c'était le futur. Du coup, Oni vient un peu nous l'expliquer, ça fait plaisir, mec. And it's joyous, yeah, énorme ce délire que tu nous ramènes en France, putain. Pokémon, c'est les mecs aux US qui l'ont lancé. C'est exactement ça, putain! C'est vraiment, mais c'est tout, c'est genre, c'est des caricatures, les gens! Les gens sont des caricatures. C'est genre exactement ce truc-là. On l'a lu en 6 émotes. Et il nous met un point d'interrogation en mode what? What, Normie? Tu trouves ça chelou, en fait? Tu comprendras peut-être en 2023, mec, en fait. Je t'ai déjà acheté un NFT. C'est vraiment OK. C'est un Américain. Oh là là, allez, reste loin. Reste aux States. Reste loin. Ah, il y avait quelqu'un là. T'es nul, achète de Réa. T'es grave nul, Domingo, je te fume quand tu veux. Je sais pas pourquoi je suis banni. Bon, nous, on a une petite idée, mais... on a une petite idée, mais... Voilà, on commence à déjà le savoir un peu, là. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous fait un t'es nul en 2020, il revient un an après pour me redire que je suis nul, quoi. Mais par contre, le mec a un timing. En avril, le gars se pointe sur Twitch, quoi. En avril, je sais pas ce qu'il fout, mais c'est là, quoi. C'est avril, il vient dire à 2-3 mecs qui sont nazes. C'est juste... Putain, dans 5 mois là, on est quand? On est en décembre. Oh, dans 5 mois. Allez, pour la postérité. Il verra sûrement pas ça, ça doit pas être un régulier. Je lui mets un bracelet électronique. On verra si juste en avril 2022, il y a une dinguerie. Juste, j'espère qu'il verra pas ça pour pas que ça soit... The Nolf, merci. Il y avait un commentaire modo. Oh, bon, au pire, si c'est vraiment un chien, vous le rebannez et c'est réglé. Oh là. Putain, c'est dommage, là. Je ne respectais pas Domingo. Putain, il y a des gens qu'on peut pas voir, ça a l'air bien. Pour moi, Domingo a été une merde immense, mais depuis quelques semaines... Putain, on peut pas lire certains. Non, mais ils bug certains. Ah, mais ils bug tous. Genre, si Jeff... Je ne respectais pas Domingo? Non, il bug celui-là. Non, j'ai F5. Non, c'est... Je sais pas. Un peu bizarre. Laisse charger. Tu penses? Je pense pas, moi. Clem, merci pour le Prime. Je pense que juste il bug. Mais on va voir. Peut-être des bans de Twitch. Non. Tu le vois, toi? C'est genre mon navigateur, genre, qui bug? En plus, ils sont bien. Oh, putain! Oh, je relance. Attends, bah, peut-être que je peux le trouver comme ça. Je vais pas regarder. Voilà. Je suis tombé sur un mec qui... Non mais lui en plus je crois que j'ai été sévère, c'était récemment en plus je crois. Juste ça m'a cassé les couilles. Frère, je parle d'un truc, je vais participer à un truc, le mec il me dit qu'il va pas regarder. Je suis en mode je m'en bats les couilles frère. Je comprends que tu vas pas regarder, il y a aucun souci mais la décence de pas me le dire putain, c'est genre... Ah je fais une vidéo au fait, là ce dimanche j'ai une vidéo. Bah tiens ce dimanche j'ai une annonce, rien à foutre. C'est en mode putain... À la limite, te fais pas hype, je comprends, quitte le truc, y'a pas de problème, je le vois s'il y a des viewers qui partent parce que tout le monde en a rien à foutre. C'est déjà une douleur, tu vois. Mais qu'en plus, de ça, on te le dise, t'es en mode, je l'ai déjà vu. Attendez, parce que... Ah, je ne respecte... Ah bah, il me respectait pas, mais... Alors, je respectais pas Domingo à l'époque, pour être honnête, j'ai acheté des messages assez salés car je le trouvais faux. Il comblait les vides de manière gringe. On n'a pas tous les codes, mais c'est pas grave. Ceci dit, il a bien évolué et le succès lui a réussi. J'aime la manière dont il pense maintenant. Bon, ça doit dater de 2016, 2017.
Bon, change la scène. Non, non, mais c'était juste pour voir cela, là. Mais je vais vous le remettre en... en fenêtré. C'est gringe, en fait. Je vous le remets comme ça. Mais je suis pas sûr qu'on puisse voir, ouais. Très bon rappeur. Non, c'est peut-être en plein écran. Bon, après, on en a suffisamment pour... Alors, gros malin. Ah, quand même, là, il y en a beaucoup. Après, c'est peut-être les anciens qui bug. Sa mère, elle suce des grosses bites. Mais non, ma mère ne fait pas ça, hein. Sard est trop beau, il doit... Putain. Le théorème. Alors, Sard est trop beau, il doit casser des culs. Pépite de chocolat. Il est nul, ce FDP. Sard, fais ça, STP. Toutes mes vidéos ont été supprimées. Non, impossible. Jill est bourré. Putain, il y a des gens sympas. Ils sont forts. PTDR, t'es un crack. Quel crack! Ils vont rouler sur leur vélo, là. Allez, debout, et fait. Ils veulent pas se faire de passe. DLG, DFG, il sait faire des passes. Largement carton rouge, il le découpe. Quand même. Je parlais des adversaires. Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bon, il kiffe Sard, il est nul sur FDP. Là, c'est vrai que ça pouvait parler des adversaires. Les adversaires, on a le droit. Il a souvent été ban. Il a pris un kick ici. Bon, Jill est bourré. Et sa mère, elle suce des grosses bites sur l'autre. Sur le FC Silmi ou c'est en face. Multi-récidiviste. Ah, ça peut des bannes, mais bracelet, quoi. Bracelet, ça... En tribune, il y a des excès, hein, parfois. Nique le PSG et l'OM. Il revient le lendemain. Bonjour les modos, en espérant que vous soyez pas trop stricts, bande de fous. Fuck modo. J'ai mûri. Putain. Ah, j'ai grandi, frérot. Ah, le Covid, ça a fait de moi un homme. Ah, ça a fait de moi un homme, je me rendais pas compte, frérot. J'arrivais, tranquille. Maintenant, je suis là. qu'est-ce qu'on lui dit, lui? Ça fait un an et demi, là. Pourquoi ban sur Jill est bourré? Parce que Jill n'était pas vraiment bourré, en fait, du coup. Hein, il devait y avoir en mode dit un truc et Jill est bourré. Ouais. Mais c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le fait même de demander à mes modos d'être plus strict sur les commentaires envers les femmes. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est un truc qu'on en a parlé hier dans Popcorn. Il y a ce truc où elles prennent 280% de la charge que prend un mec au quotidien. Donc si tu t'essayes pas de compenser un minimum certains trucs ou de faire en sorte que ça soit clean, bah en fait ça avance pas, quoi. J'ai mûri. Trois messages, trois insultes. Non mais là c'était juste un récap, c'est si jamais, parce que souvent ça bug. Ah, mais c'est pas pour autant que t'es en mode... C'est ce truc là, tu vois, de... Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça débile comme raisonnement. Bah en fait, genre, j'autorise pas les insultes sur mes potes. Les seuls moments où ça peut être FC Silmi parce que ça part en couille de ouf, tu vois. Et c'est pas en mode... Comment faire comprendre? Parce que je comprends ce truc-là de... Ce discours, en fait, ça réveille les plus... à l'encontre ou qui n'ont pas encore compris et qui se disent du coup, mais alors du coup... Il y a plein de trucs qui vont passer pour une femme et pas pour un homme, donc du coup nous les hommes on va être en dessous, tu vois. Et tout de suite c'est ce truc là, tu vois. Et c'est pas ça, parce que bah vous voyez, on est quand même strict dans l'ensemble. On a débanné un mec parce qu'il avait mal parlé de Sard, il a pris un an, il est en bracelet, tu vois, c'est dans l'ensemble. Juste que, encore une fois, je sais pas si vous avez bien entendu ce que nous disait Magla genre mardi, mais c'est genre tellement de gens et ces messages là en fait c'est des messages entre guillemets, c'est terrible, mais normaux parfois par rapport à ce que genre elle se tape en DM ou autre, tu vois. Donc moi, j'ai envie que quand j'invite une meuf, elle regarde pas la rediff, elle se dise ah, lourd ça commu, quoi, tu vois. Parce que c'est encore un problème, quoi. Si on entend les discours sur les femmes, je suis partie de ceux qui les respectent. C'est blasant d'entendre ce sujet quand tu ne sens pas concerné. Ah, mais je comprends que ce soit archi casse-couille, parce qu'encore une fois, c'est vraiment quelques pourcents de gens, quoi. Donc, alors, on te dit pas tout ça, on dit juste factuellement que genre un tel est bourré vaut pas un ban. Oui, non, mais là, je suis d'accord. Là, c'était un 5 minutes, hein. C'était un 5 minutes où je suis d'accord que c'est pas un truc où le mec aurait pas pris permaban, où c'était dans la flopée, où parfois du coup c'est un peu plus sévère. Et il y a des moments où c'est pas parfait non plus, tu vois. Mais parfois je préfère être un peu plus sévère pour protéger que être un peu en mode bon bah j'ai laissé passer 2-3 trucs où ça va les tacler rapidement, quoi. Mais tu vois, récemment t'as Billy par exemple, il en a parlé, Amine il en a parlé sur la roue du temps, tu vois. Ils ont fait leur live et c'est ce qu'ils disaient à leur commu, tu vois.
Quand t'es en live avec les gens, bah tout le monde comprend, tout le monde est normal. Sauf que quand t'es en live dans des gros trucs, plateau ou autre, bah en fait quand c'est des meufs, ça va être Laure, elle fait du vélo, c'est bah je la tue. C'est dans le chat, t'es en mode frère, fais enculer quoi, tu vois, genre. Mais bref, elle avait l'air bouleversée mardi quand elle en parlait, Magla, c'est triste. Bah concrètement, quand elle t'explique que il y a plein de mecs en fait qui, enfin Magla, mais comme d'autres meufs, hein, qui la harcèlent sur sur plein de comptes différents, qui vont jusqu'à menacer de te violer, de te tuer, de te séquestrer, etc. Que la justice ne peut rien faire. Bah en fait, sachant que t'as ces tarés, t'as envie de pouvoir avoir des gens un peu plus tranquilles quoi. Et ça veut pas dire que ces tarés là c'est une base normale quoi, mais enfin. Ce truc classique, on en parle à chaque tribunal, et je sais encore une fois que ça peut être un peu chiant d'entendre comme discours quand tu comprends ça et que t'essayes de faire au mieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été éduqués, enfin pas, déjà oui, mais le fait de grandir avec des femmes dans son environnement joue beaucoup, je pense, tu vois. Et ça joue énormément. Et ça te permet de comprendre ce que les femmes peuvent vivre, et si en fait tu n'as pas... Si tu n'as pas ces dialogues-là avec les femmes, bah en fait, t'as juste l'impression que soit les femmes en font trop, soit que c'est du mytho parce que tu... Toi, tu vis pas ça, quoi. Enfin, bref, pardon, c'est toujours un peu les mêmes sujets, mais c'est important, tu vois. J'avoue que le truc de mardi, j'étais en mode, ah ouais, la vache, quand même. Quand même. Et encore une fois, mon chat est accessible à tous la majorité du temps. Donc, frère, c'est gratuit, tout le monde peut parler. Vraiment, tu viens en cassant les couilles, c'est genre... Y a pas de raison, quoi, tu vois. Et ça me gêne pas de me débarrasser d'une partie de mon public qui ne comprend absolument pas ce genre de truc. Hein. Vraiment, ça me gêne en aucun cas. Hein. Bon, nique bien ta grosse mère, la pute, Domingo. Bon, c'était avant 2017. J'étais petit, je savais pas ce que je faisais. Bon, avant 2017, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, on annule. Nique ta mère, Douag. Oh. Pourquoi nique ta mère, Douag? Quel FDP, ce Douag? Respect, fuck Kotei, fuck Edal. Plus les pubs, c'est la régie. Tac tac. Comment c'est bon de P-Word? Bien sûr, post un graph, DP de Douag, honteux. Triche avantage, stream team, c'est honteux. Oh là là. J'ai pété un câble il y a quelques temps, désolé. Ah ouais là. Bon, 2019, ça fait 2 ans là. Là, ça fait 2 ans. Est-ce que 2 ans, du gros nique ta mère. Du gros nique ta mère, il déteste Douag quoi. Il déteste Douag, ça a écrit en giga caps. Honnête sur son message. Au moins, il a l'honnêteté de pas nous dire en deux ans et demi en plus. Hein. C'est quasiment 3 ans là. Je suis désolé, je n'y arrive pas quoi. Je n'y arrive pas. Là, ça va faire quasiment 3 ans qu'il a mis son dernier message. Très toxique. C'est très très toxique. Hein. Il a pas dit un peu d'humour. C'est un des rares qui s'excuse. C'est des trucs que je prends en compte. Hein. Moi, je crois grave en l'humain. Parce que ça sert à rien juste de. Entre guillemets, de dire aux gens bah tu te comportes pas bien, c'est pas bien, c'est fini maintenant, tu vois. Tout le monde peut progresser, hein, tu vois, genre vraiment. Et je suis pas le Dalai Lama, hein, frère. Hein, genre, encore une fois, hein, je suis pas là à vous donner des leçons en mode regardez comme je suis bien, faites comme moi. C'est pas l'idée, hein, les refs. Hein. Vraiment pas. C'est juste que on comprend plus ou moins des trucs, quoi, je pense. Faut croire en l'humain. Tra. Mais tu vois, par exemple. Bon, après, je viens de débattre un mec qui a dit nique, mais qui m'a insulté en mode nique ta mère, quoi, tu vois. Donc, Lazane, merci beaucoup. J'hésite. Il y a un P-word, il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, là, quand même. En 2018, ça excuse pas tout, là. Hein. Comment il le dit. 3 ans, tu changes grave. En 3 ans, c'est vrai que tu mûris, quand même. Hein. Pour le coup, je sais pas comment vous étiez. Je sais pas comment vous étiez il y a 3 ans, mais il apporte rien de constructif. Après, il est sur Twitch depuis 2018, tu vois. Donc, ça excuse pas. Il a dit un truc positif. Son message ici laisse espérer. En fait, l'avantage. Non, mais en fait, c'est ça qui est trop bien maintenant. Avec les nouveaux outils de modération Twitch, on peut vraiment mettre un vrai. Là, les prochains messages, ils vont être highlight, en fait, de ce mec. Donc, si tous les mecs, justement. Leur prochain message highlight, donc les mecs qui ont un bracelet, c'est des messages de merde, il y aura encore moins de clémence des modos. C'est-à-dire que tu vois que le gars écrit qu'en cap, s'il apporte rien, il fume les gens, c'est pas... Tu vois, il s'est fait ban en 1 an. Comment ça? 3 ans, c'est énorme. C'est pas 2013, oui, peut-être... Oui, il est sur Twitch depuis 2013. Ce tribunal se passe comment? On hésite sur un cas, là.
Il y a 3 ans et demi, j'étais une merde, je suis pharmacien, j'ai une maison et un chien. Non, mais tu vois. Mais t'as envie de le déban. J'ai un peu envie de le déban pour croire aux gens, quoi. Surtout que c'est pas... Il se faufile dans la nature. On peut le surveiller, quoi, tu vois. C'est ce que je dis, hein. C'est que moi... truc que tu peux retrouver, je pense, de 2015... Alors, c'était il y a plus longtemps, peut-être, tu vois, mais 2014-2015, ouais, où t'es en mode what the fuck, quoi. Mais tu comprends les choses, tu vois. Enfin, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Payword, etc. Bah, honnêtement, en 2014, entre potes, t'étais pas en mode c'était un problème ou tu t'étais pas en train de stigmatiser une communauté en le disant. C'était une insulte en mode... comme enculé, qui maintenant peut être un problème, par exemple celle-là, tu vois, ou d'autres, quoi. C'est vérité ce soir. Bah, on a des bannes 4 gars, hein. On a des bannes 4 personnes. Combien de temps ils gardent le bracelet? Je sais pas exactement. Fallait au moins mettre un message d'avertissement. Ouais, mais c'est mieux. C'est limite mieux de pas mettre de message d'avertissement pour voir comment il se comporte dans son comportement naturel, tu vois. Comme ça, ces 5 prochains messages, les modos le verront, tu vois. Et comme ça, t'es bien, quoi. C'est un dos, cette sale race. Toutes les excuses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce chien de Sardoche, sale chien de Sardoche. La queue d'or. J'ai signalé. Sardo, cette sale race. Oh, c'est Neil, hein. C'est Neil qui allait s'en charger. Un an, mais là, ça fait un an, mais bon, là, on le perd mal, lui. Là, c'est. Il aurait pu avoir un one-shot. Là, il y a une haine. Faut pas non plus. Faut avoir aussi une ligne de conduite. Hein. C'est pas parce que. Pas parce que Sardo a aussi des haters qu'il faut, faut laisser passer plus de choses. T'es censé te tenir même si tu n'aimes pas quelqu'un. Alors, Xari la salope. Bah, ça démarre bien, ça. VV, ça devient à abri si... Oh la vache, ça devient à abri si... Ça devient à abri si tu mets un porte, idiot. Il est trop petit, ton clos gros. Hé, blackjack ou poker? Hé, hello Domi. De la grosse merde, ce stream, comme d'hab, quoi. Kinda harsh for ban... Kinda harsh ban for stating my opinion. Le commentaire est drôle au moins. Le commentaire est marrant. Mais bon, ça rejette, hein, bien évidemment. Ah bah, banni, pourquoi? Oh là là. Oh là là, là il y a un screen. Attention là. Oh attention, attention, parce que là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Ah bah. Non, c'est pas un truc choquant. Quelqu'un qui je pense est un scam. Je pense que c'est un faux compte de meuf et d'un mec qui voulait se faire payer. En gros, qui a DM en chuchotement, il voulait se faire payer un Uber Eats en gros. Donc c'est difficile parce qu'on sait pas, c'est ambigu. Bah en fait, on sait pas parce que le message, on peut voir ici, pardon. Salut, excuse-moi de te déranger, je DM les gens pour savoir qu'il n'y aurait pas moyen qu'on me dépanne un Uber Eats ou 10 euros PayPal pour que je mange. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé, j'ai trop faim, j'ai pas été payé, je suis en galère. STP, si tu peux me dépanner un repas, ce serait sympa. Donc c'est terrible parce que. Il y a un monde où c'est la réalité, quoi, tu vois. De la personne qui juste est en mode ne bouffe pas. Il y a quand même une grosse impression de scam, quoi, tu vois. Il y a quand même un. Tu vois, avec Julia, avec 2i. Tu vois, t'es quand même dans l'escroquerie, quoi, tu vois. Mais. Scam de fou. Ouais, j'ai lu le message pour voir parce que t'as toujours ce monde où mais bon non c'est une arnaque, je l'ai déjà eu. Ah ouais, ah c'est des gens de quoi, c'est une arnaque connue genre. Apparemment il envoyait ça à plusieurs personnes du chat. Tu manges pas et tu demandes Uber Eats. Bah après ouais, c'est pour ça qu'il pouvait demander un PayPal, tu vois, quelqu'un qui n'a pas à bouffer. C'est le mec qui harcèle Trinity depuis 3 ans. Mais quoi, jure? Hein? Comment tu... Comment ça? C'est le harceleur de Trini. Mais je te dis, mais les gens sont... Mais je te dis, c'est parfait, on se rend pas compte. En vrai, on se rend pas compte. Donc là, c'est genre le mec qui a des fake comptes. Là, en l'occurrence, Julia, qui doit avoir des centaines de comptes. Et qui, là, tente des petites arnaques à côté en plus. C'est ça, le plan, là? Mais il y en a, mais il y en a. En fait, vraiment, c'est tellement pas humain de pouvoir imaginer. Non, elle avait mis des tweets, mais je pense pas qu'elle ait cité les trucs ou autre. Ça doit être surtout en procédure judiciaire. Hein. C'est tellement pas humain de pouvoir imaginer jusqu'où vont les gens. Donc, PK.
Oui, 2 minutes, je te disais. C'est terrible. Ça sent le fake. Oui, non, mais c'était fake, mais du coup, dans le. Mais comment, du coup, on saurait. Comment vous reliez? C'est Chelsea qui a reçu le même truc il n'y a même pas un mois. Trini lui a confirmé que c'était lui le même mec. Et c'était le même pseudo? C'est Chelsea qui a tweet sur ce gars? Ou ça, c'est un compte en gros qui servait à harceler, c'est ça? Oh, putain, mais c'est tellement. Ouais, mais là, comment vous. Mais non, c'est pas forcément le même compte. Comment vous reliez. Oui, putain, la vache. J'ai cru que j'avais changé de scène, mais c'est vrai que Chelsea, ça peut être border en live Twitch. Putain, ça va. Mais non, sur Twitter, il n'y aurait pas de dinguerie. Je pensais que j'avais changé de scène, j'ai vu le truc. Je me suis harcelé. Oui, j'ai harcelé Trini et pas que. Je me suis fait soigner, je harcèle plus personne. J'ai faim, c'est une évidence. Je te demande pas l'argent comme ça, je pourrais te dépenser à tout va. Je te demande 2 pizzas. Ah, mais c'est genre arnaque de. Ah, c'est pas ce screen, ok. Ah, ok, parce qu'en fait, il y a une série de. Du coup, je fais juste attention quand même. Je t'explique, je meurs de faim. T'acceptes en train de me payer un Uber Eats si je te demande mon adresse. J'ai demandé à ma famille qui m'a dit d'aller me suicider. Oh, oh putain, mais c'est des gens qui ont des problèmes, quoi. Mentaux, c'est des gens qui. Ça va, merci. Chelsea est gentille, hein. Le DM pour lui dire ouais, pas de chauffage, peut-être je serais d'accord, mais j'ai une pizzeria qui fait des pizzas raclette près de chez moi, mais ça revient à 26,50. Si vraiment t'as besoin, j'ai un nono et je digère pas le riz et les pâtes. Si t'as besoin de nourriture, je pense que le mieux c'est que je t'envoie des pâtes, tu feras toi-même, non? Si t'as un nano, le mieux c'est peut-être manger trop gras, enfin il me semble que c'est fait pour ça. Putain, il se donne dans la description. Non mais j'ai mon poids idéal, mais c'était les premiers modèles que tu peux pas retirer, ils me gâchent la vie depuis que je suis fauché. Là en février je suis à la rue, je veux bien t'aider mais une pizza n'est pas la solution sur le long terme, ça te ferait un seul repas. Non en fait ça revient à 26,50 car t'es obligé de commander 2 pizzas. Donc avec mon anneau je peux en manger qu'une et demie, ça me fait 4 jours. Mais... C'est lui qui m'a... C'est pas toi qui m'avais demandé si je la connaissais un jour, si tu peux me dire un truc. Enfin, c'est l'air de Trini, ça fait 3 ans que c'est arrivé. Et lui c'est genre le taré aux commandes de Uber Eats, c'est ça? Lui c'est son game. Qu'on comprenne quand même. Merci de t'être servi de moi pour ta story alors que c'est réel, j'ai faim. Et du coup, il recrée des comptes dans tous les sens, etc. Quoi. Oui, j'ai harcelé Trini, je me suis fait soigner, machin et tout. Eh, c'est. Je suis pas psy, hein, loin de là. Hein, mais c'est des trucs. Je pense que c'est une maladie mentale, hein, je sais pas quoi ou autre, tu vois, mais c'est lié à l'empathie, c'est lié au truc de désespoir, de jouer sur les trucs du fil de. Pas sinon je vais mourir, mais te suicider tout, quoi. Trinity a déjà payé des trucs à ce mec et c'est allé de plus en plus loin, il a dit qu'il allait se suicider. Ah ouais, c'est. Il a réussi à. Pire mec, mais quoi de fuck? Pire mec, il a réussi à trouver l'hôtel de Trini. Attends, putain, j'ai le message. Il a réussi à trouver l'hôtel de Trini à Los Angeles. Il est malade mental. Ah ouais, faut pas parler de lui. C'est dans ces soucis là, c'est alors qu'enfin il cherche de l'attention aussi. Donc avançons les amis. Mais encore une fois, c'est important, tu vois, de se rendre compte de cette réalité là, tu vois, que dont des mecs souffrent, se font harceler. Mais c'est toutes les meufs. C'est-à-dire que toutes les meufs connaissent ce mec et tous les discords, enfin les streameuses se passent les mecs. En mode putain, il y a lui qui fait ça en ce moment. Ah ouais, moi aussi je l'ai eu et tout quand même. Enfin, qu'on... Juste quand même qu'on capte. Avançons. Alors, c'est quand même, ouais. C'est un délire hein, quand même. Alors, tac, Parodman, non, j'ai la ref. C'est un qui répond que de la merde. Donc on a l'autre qu'on a peut-être. Dites, Chibrax, wesh, Asmeltor, il s'est fait souiller. Recrutian, Not Like This, Michou Win, Doig, ça le merde. Désolé. Oh, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont contre Doig? Tu penses qu'ils ont quoi, mon chat, contre Doig, toi? Qu'est-ce qu'ils ont contre Doig? Tu sais, t'aimes bien Doig, toi? Non, t'aimes pas Doig, toi. Oula, toi non plus, putain. Eh ben, mais il est gentil, Doig, hein? Tu l'as jamais vu en vrai, en plus. C'est un vrai gentil, hein, il est pas... Elle aime pas Doig non plus. Elle a pas... Elle s'est cachée, elle est restée sur ma cuisse, mais... Elle a préféré s'éloigner. Mais pourquoi Doig, ça le merde, putain? Ah, 7 mai, ça doit être un truc stream team, non? Ça doit être un truc stream team où Doig en fait des caisses, mais c'est Doig, quoi. C'est.
Il était là depuis quand? Septembre 2020. Bon, il avait rien dit de spé. Il a pris quoi? Il a pris 7 mois, là. Un sale merde de 7 mois. Sale merde, 7 mois. Est-ce que... Est-ce qu'on a envie juste de... De pas laisser de chance aux gens qui... Non, allez, je suis sévère. 29. Allez. On est sévère. Ici. Mais ferme ta gueule, toi. On te dit qu'il y a des drops. Ça fait un bail. Bon, c'était avant 2017. Oh, le duc du bois de Boulogne! Mais quoi? Mais le duc du bois de Boulogne, c'était un viewer régulier. Oh non! Oh putain, mais je comprenais plus pourquoi il venait plus sur les lives. Il était permaban. Il était... Je comprenais pas, putain. Le B2O, bah ouais, à un moment, on avait un super lien entre nous, puis... Mais pourquoi? C'est vraiment le boss pourtant. Non, mais t'as juste pas insulté, peu importe ce que t'aimes ou pas, quoi, tu vois. Je trouve ça dommage, Doig a l'air d'être tout gentil en plus. Non, mais je comprends. Doig en stream team, Doig qui en fait des caisses, même moi en live, je l'insulte, tu vois. Mais c'est juste que moi, je peux me permettre parce que c'est un. Je suis parti en vacances avec, etc., quoi. Mais un Doig qui fait des caisses peut t'amener à, bien sûr, avoir un craquage. C'est là où il faut être fort. C'est là où il faut être fort à ce moment. Et il faut justement avoir, dire, c'est pas nécessaire. C'est pas. Y a pas besoin. Alors. Gwenushiro, lol, Elon Musk plus riche qu'une société entière. Malégrol, Domi Karmaed, les bronzés font du ski. Qui peut dire qu'il a été aussi stylé que toi? Il va me dire chiche. C'était PB, c'est con. Run backward. Oh, ça c'est Ubisoft. Putain, le jeu là où tu. Putain, j'aurais pas le nom. Comment, c'est quoi le jeu où tu fais du ski? Du Step Trials? Non, tu fais du. Riders, Republic Riders. Aïe, merde, pardon, j'ai tapé sur le bureau, excuse-moi. Ça lui a fait peur. Riders Republic, ouais, pardon. Excusez-moi. Streamer en suédois, c'est qui le random au cage? Bonsoir, non. Validation affirmée. Ah, il a répondu à quelqu'un. Veft, pleure. Sous l'effet de la popo, j'ai été quelque peu provocant. Non, oh, ça c'était un peu. Ah, après, les gens sont en mode pleure. En fait, il a mis. Je pense que là, il y avait quelqu'un. Ouais, le kick était violent. Le kick était violent. Grosse bavure. Non, le kick est violent, mais c'est des humains, frère. Genre, Veft, il me suit depuis 2015-2016. Bien sûr que le mec, à des moments, genre, il est pas parfait, il y a des moments, il va mettre peut-être un kick ou quoi. Genre, on a un doc où on a banni plus de 15 000 personnes en 6 ans. 2014. Mais moi, je les comprends entièrement. C'est des gens juste qui sont là pour nous aider, etc. Avec qui à commentaire. Ce qu'il en donne au cage, parle de Ponce. Et pour Veft, c'était pleurant. Et donc, non, là, tu vois, c'est 5 minutes. Hein. 5 minutes de kick, ça va, tu vois. Et après, il revient avec un pleur. Et là, c'est Guise qui met le ban, tu vois. Mais qui est, je pense, tu vois, trop abusif, le perma. Mais juste, il y a des gens qui parlent comme de la merde à mes modos. Et frère, je laisse pas passer non plus. Enfin, c'est des. J'ai pas des modos pour qu'ils se fassent souiller et que je leur dise non, bah t'as le droit. T'as le droit de lui dire juste 3 ta gueule. Tu vois. Au bout du 3ème ta gueule, là il va peut-être un peu s'énerver. Mais les deux premiers, ils sont cadeaux. Hein, tu peux le souiller. Hésite pas, quoi. Les selles jaunes. C'est du second degré. 18 mai. Popcorn. On est sur. Non mais qu'est-ce que... En fait c'est juste que... Même si c'est des... En fait si c'est une rêve de film ou autre par exemple. Tu vois. Qui... OSS 117 la raid. Est-ce que c'est une rêve? Réplique du film. Ouais mais j'avoue que le gars c'est son premier message. Genre... T'as besoin de contexte tu vois. J'ai pas le contexte. C'est vrai qu'on n'a pas le contexte mais si ça a ban, c'est qu'on devait pas être... On devait pas être dans un truc de contexte en mode à parler d'OSS 117 et à tous faire des rêves, tu vois. Donc, tu vois, genre, c'est... Enfin, le moment où OSS, c'est archi drôle. Ce qui est marrant, c'est que c'est lié au contexte, quoi, tu vois. Mais quand c'est ton seul message et que potentiellement, t'as Marie, tu vois, dans Popcorn, t'es en mode... Tu vois, vous êtes pas du jardin, les man. Tu sais, c'est... J'aime me beurrer la biscotte. C'est en mode, bon, c'est marrant parce que c'est une rêve commune, tu vois, mais... Commentaire. Attends, pardon. Excusez-moi, mon tiltomètre.
Mon tiltomètre s'est rempli. Je devais voir ce qu'il se passait. Non, c'est bon. Super problème cette biscotte. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a quelqu'un, 70 messages. C'est où les buteurs, skill buteur, c'est pas mal le mode pillage. Qu'est-ce qui branle la Tommy? Pff, la honte, le Tommy, voilà les Chico, MDR, Chicoman. Tu vois? Première, je pense que c'est Popcorn. Première fois, on invite Tommy. Donc, il y a quand même un an, trois mois, tu vois. Donc, Tommy, il a déjà fait des trucs à ce moment. C'est pas en mode, on le sort de sa cave ou autre, tu vois. On n'est pas les premiers à faire des trucs avec lui. Mais j'étais en mode, vas-y, bah cool, tu vois, de l'inviter dans Popcorn, de parler de lui et tout. Le seul message dans Popcorn, c'est genre pour chier à la gueule de notre invité, quoi. Arrête le crayon autour des yeux, Domingo. Pourquoi mettre du crayon à sourcils, lol? Quoi? À 4 ans, les streamers vont être contents avec le confinement. Le streamer qui triche est banni. Garde pour tes créations, chaîne Twitch, Rip Maradona. Tout le monde fait corpo, c'est dingue. Ah, ça devait être... Putain, je suis désolé, je suis fatigué. Cyberpunk. Elle m'énerve, cette Gilles. Sardoche, tu vois, c'est que des trucs. Les gens, c'est saoulant quand... Mais c'est ce truc-là. Hein. Et pendant le confinement, il y a pas mal eu, tu vois. Pendant le Covid et quoi, et c'est normal. Hein. Nous, on est là aussi pour vous faire passer un bon moment et du divertissement. Mais c'est juste que tu peux pas non plus juste être un échappatoire pour les gens. Hein. Juste, t'as les gars, ils te balancent que leur négatif, quoi. Je peux pas prendre que le négatif des gens non plus, quoi. Tu vois, t'as pas envie que de ça, donc... Bon, c'est pas que le cas non plus, hein. Le gars, ça va, tu vois. Oh non, pas la magla. c'est pas du tout ça, mais bon. Le gars a taillé tous les gens que j'ai invités, quoi. Et Pavalouz aussi, pourquoi tu fais pas de GDTRP, ZZZ? Banish pour avoir fait ZZZ pour rigoler, c'est une blague. C'est une blague. Mais fille, pardon. je suis détesté. Rien que ça, mais ça me... Genre, ça me donne envie, mais de le fumer, le mec, tu vois. Excuse-moi, je suis banni pour ça, c'est une blague ou quoi, là? Attends, mais on est où, quoi? Grosse merde, va. Genre, les mecs, mais vous, c'est... Pardon, excusez-moi, ça me... Ah, il y a des moments, les gens, c'est trop de prise de conf. Vraiment, genre, je... pendant une chronique pour Popcorn, voilà. Tu vois, je devais être en live. Mais bien sûr, mais reste banni à vie, gros. Genre, il y a quelqu'un qui, genre, ça répond, j'en sais rien, fait une chronique. Le gars est juste en train de dire, je me fais chier. Déjà que là, les 4 dernières émissions, c'était bien de la merde. Tous les gros cons que t'as invités, bah là, ça, c'est de la merde aussi, hein, dans le moment présent. Mais les gens, c'est genre... Elles bougent. Ah ouais, non, vraiment. Et de plus en plus, hein, rien à foutre qu'on pense que je sois sévère ou pas. Chacun ses chats. Kamel qui a un chat hyper ouvert, j'ai l'impression que là, ces derniers temps, ils pètent des câbles parce que les gens, ils sont en mode, ils se permettent tout et ils font plus la différence entre le réel ou quoi. Et quand t'as 18 000 personnes qui pensent que chacun peut lâcher sa vanne et se dire, bah putain, j'ai un peu une relation spéciale avec mon streamer, donc chacun va faire sa vanne, 3e, 8e degré. C'est genre le blob, parfois, c'est dur à gérer. Hein. Aïe, 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 sur la balle, du cul, second poteau. Je me répète, mais la place de la femme, c'est où? Ah, flingué. Le même, la femme, c'est dans la cuisine. Flingué. Flingué. À chier. À chier. De la grosse merde. De la grosse merde. On peut aimer le son ou quoi? De la grosse merde. C'est de la grosse merde. Et d'être en mode, non, mais putain, c'est un son, c'est une rêve de ouf ou quoi? De la grosse merde. Juste de la grosse merde. C'est tout. Il n'y a pas de... J'étais banni parce que je mettais, vous pouvez vérifier. Mais de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Genre, trop marrant, t'as une meuf, tu dis quoi? La place de la femme, c'est où? Dans la cuisine. Oh putain! Eh, pas besoin de lave-vaisselle, j'ai une copine! Oh putain! Oh, mais arrêtez! C'est fou là! Est-ce qu'on se marre? Elle a une voix à sucer des queues. Mais frère, mais genre, c'est de les... Eh, je suis désolé là-dessus, moi je pense que je vais être de pire en pire, et c'est le minimum, tu vois. Genre, vraiment, c'est. Elle a une voix à sucer des queues, cet enculé, il met 2 émojis, il met 2 cerises. Il est allé chercher les 2 cerises, ce taré! Pingu Power, il a scroll, c'est loin les cerises. Non, il a peut-être tapé cerise, mais même, on s'en bat les couilles. C'est loin, c'est genre, faut... Cake W, c'est pour rigoler. Issou. Issou. Énorme Issou, là. Là, c'est... Elle a une voix à sucer des queues. Calme-toi, Domingo, faut pas craquer. Ah non, non, mais... En fait, je sais que là, par exemple, t'as 5% de gens qui se disent, putain, c'est sévère. Imagine, j'appelle ta mère, gros. Et genre, je raccroche et je dis, ah putain, elle est sympa ta mère, elle a vraiment une voix à sucer des queues. Genre, enfin. Oh, ça va, eh, on rigole. Mais genre, tu sais, c'est fin. C'est pour rire, eh, vas-y, bouge de là aussi. Putain, on taille après les humoristes de mort pour avoir cet humour-là. Hein. Et pour dire en permanence, non, nous c'est différent. Hein. Nous, on est un peu au-dessus quand même. Hein. Alors nous, c'est pas... Excusez-moi, je reprends le contrôle, puisqu'encore une fois, c'est une minorité plus que mineure, mais qui, parfois, est quand même importante. Et honnêtement, je suis pas si sévère que ça, hein, tu vois. Je suis juste... On est de trouver un équilibre, tu vois.
trouver un certain équilibre. Parce que t'as pas le contexte, des fois le chat parle entre eux. Je suis pas caramel. Hein. Genre, je suis pas. À l'époque, ça draguait sur les Skyblogs. T'inquiète, on était là, je comprends, mais c'est pas Twitch maintenant, tu vois. Donc, y a pas de souci, hein, mais il y a des endroits pour, du coup, si jamais. Tu peux me raid, tu peux me pub. Oh, je l'ai perdu ma banne, c'est dur ça. Tu peux pub, prédiction, allez, crouton, j'ai lancé, c'est l'heure de la pub. Tu peux me pub, tu peux me raid. Un pote m'a dit qu'il l'avait pub. Et je pensais qu'il aurait pu me pub. Putain. Excuse-moi pour cette mauvaise demande. Putain. Ouais, c'est pas un méchant, c'est un jeune, lui. C'est un jeune, il savait pas. Il est en mode. Il s'est dit, vas-y, ça, c'est pas, là, c'est pas méchant, tu vois. C'est pas des. Il se dit juste, bah pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, si jamais il me pub, ça peut peut-être changer ma vie. Il est jeune, quoi. C'est un jeune. Allez, on enlève. En vrai, je mets pas de message, ce qui est rien de pire que. Déjà que je sais que je suis un peu moralisateur, mais des os, c'est obligé pour le pourcentage. Mais le message, je pense que c'est pire que tout. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas faire de pub, en fait, sur les chats. Commune Michou. Joue, non, permaban. J'ai simplement mis un message sans haine ni rien. Joue, non, et j'ai été ban. Pendant la découverte de Tennis Manager, joue, non. Bonjour. Un peu sévère, j'avoue. Mais le perma est fort. Hein. Mais no joke, moi je vous dis, quand je suis sur Tennis Manager, qui est un jeu de gestion, tu vois, où c'est genre on est entre notre commu, c'est un jeu, genre les devs m'ont appelé, on les a refait à stream le jeu, tu vois. C'est des devs indépendants qui, tu vois, où tu fais ton truc, tu développes ton truc, t'es avec ta petite commu et tout. Mais c'est, en vrai, c'est ce truc où... Et je suis désolé que ça me touche, tu vois. Parce que je pourrais m'en battre les couilles de tout, mais comme je lis pas mal le chat, et ça me touche pas. Hein. Je suis pas non plus en mode, ouais, le soir, j'ai dû en parler à ma meuf et tout, c'était dur. Hein. C'est pas en mode ça me touche non plus, tu vois. Mais juste en mode, bah, pff, c'est ton seul message. Tu dis pas, même pas un petit salut, mec, tu fais quoi aujourd'hui? Putain, la game a démarré. Non, c'est joue. Et en fait, mais c'est le vrai problème de ça, c'est juste quand tu prends les cas un par un, ça paraît con, mais c'est la multiplicité. Tu vois, des gens qui reviennent, ou peut-être dans la journée, t'en as 5, 6 des comme ça, tu vois. Donc voilà. Et c'est vrai que, no joke, je pense de plus en plus, tu vois, à faire des sub-modes, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à un moment, bah, je mettais pas de sub-modes, j'avais pas tant de subs. Là, on est 12 500 subs. Le chat, on est tranquille. Hein. Là, si je mets en sub-mode, on est tranquille, tu vois. J'ai mes subs. C'est pas pour autant que les subs, il y en a des moments, ils peuvent dire des dingueries, hein, tu vois. Multiplicité, c'était pas ouf, mais on a tenté, vous avez compris le mot. Mais je pense que j'en mettrai un peu plus qu'avant, parce que je suis obligé. Mais j'ai pas envie que ça soit que ça non plus, tu vois. Donc moi, j'aime bien l'idée de. Bah, y a des gens, ils sont subs, ils sont pas subs, on est ensemble, tu vois. Mais y en aura un peu plus, je pense, parce qu'il y a des moments où c'est relou, tu vois. Où c'est des gens qui sont pas trop dans ton délire. Et pourtant, j'ai 10 minutes de follow mode, donc souvent, le premier message. En fait, là, il a voulu potentiellement écrire son message. Non, c'est quand on voit compte créé. On voit pas depuis quand il me suit. En fait, les 10 minutes de follow, c'est potentiellement si jamais tu t'as envie de mettre un message de mort, tu dis ok, je réfléchis, est-ce que dans 10 minutes t'as encore envie de le mettre, tu vois. Ce mode l'a pas du gain. Oui. Le capital. Débanne-le quand même. J'ai été ban. Ouais, on va voir. Ouais, non, on va voir. C'est relou, mais c'est pas toxique. Non, ça c'est. Non, mais techniquement, ça c'est des kicks. Mais j'avoue que moi, je kick assez peu. Bon. Je l'ai perdu ma ban. Il a mal parlé des Français. Ouais. Et ouais. Un pays où on est fier de notre pays et de nos athlètes que dans la victoire. Un pays où on suce tous les sportifs quand ils gagnent. Mais on les insulte quand ils perdent. Enfin, je pense que déjà c'est la majorité des pays, hein, pour pas non plus saccager la gueule en étant français. Mais. Mais bon. Vive la France, même quand on perd. Non, bon, là, j'étais un peu en mode. Ouais, non, là. J'aurais dû le Théo, mais juste. J'aurais dû le Théo, mais voilà quoi. Ça m'arrive. C'est pour ça que c'est bien. Alors, entraîne Clara Morgan plutôt. Permaban. Clara Burel. Clara Burel,
petite 20 ans, petite choupette, numéro 1 tennis mondial junior. Elle s'appelle Clara Burel. Elle s'appelle Clara Burel, tu vois. Tu vois. Genre, et concrètement, c'est en mode d'un coup, Clara Morgan, actrice de cul. Donc, désolé pour cet écart. C'est juste, en fait, c'est beauf, quoi. C'est pas non plus, on se remet pas la tête en mode what the fuck ou autre, tu vois. Juste que une meuf qui découvre Twitch, qui est. Qui découvre pas Twitch, elle connaissait Twitch, tu vois. Mais encore une fois, je suis en mode, putain, à un moment où elle se voit, en mode, ah bon, putain, il va peut-être me prendre. Il va peut-être me prendre. Ah. Il va peut-être me prendre, justement, m'entraîner. Et t'es en mode, t'as des mecs, c'est genre. Et c'est ça, en fait, tu vois, qui est terrible. C'est que c'est. Mais c'est ce délire un peu de société, tu vois. Où t'es comparé à genre Manu Ferrara, c'est en mode, ah putain, t'as trop une grosse bite, mec. Putain, mais t'es vraiment le plus gros baiser de tout Paname, tu vois. Et la comparaison en meuf, tu vois, et genre, bon là, c'est pas spécialement ce qui est fait, parce que c'est juste une actrice, mais. C'est genre. Mais c'est le truc classique, hein, qu'on connaît tous, hein, que ce soit lycée ou autre, où on a tous grandi comme ça, tu vois. Où t'es en mode. Choper beaucoup de meufs, c'est normal, c'est stylé, tu vois. Un mec qui. Enfin, une meuf, pardon, qui chope beaucoup, bah tout de suite, ça va être plus à jugement et tout, quoi. Mais bref. Il a 31 ans, PA, faut faire quelque chose. non, mais là, c'est juste. Là, en vrai, c'est juste pour Clara, tu vois. Parce que genre. Là, c'était un humour de mort, mais c'était un humour de mort. J'ai pas envie d'être non plus le mec qui devient hyper chiant et qui. Là, c'est pas drôle pour le coup, quoi. Mais, et qui, du coup, devient totalement taré. C'est juste que. Je pense qu'il y a besoin qu'il y ait un. Ça va dans le bon sens, hein, j'ai l'impression, mais il y a besoin que ça continue quand même, quoi, tu vois. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est. C'est sacrément rigide quand même. Dans le prochain. Non, 4 messages, 4 trucs relous. En fait, je repère les pseudos nuls, je crois. Enfin, pas, il était pas nul son pseudo, lui. Mais juste, j'avais déjà repéré le message, je m'étais dit, ok, PA, tilte pas. Et tu sais, j'ai regardé, il y a peut-être 5 minutes. J'ai regardé, j'ai fait, ok, non, faut que tu progresses là-dessus. Tu sais que quand tu fais un stream comme ça, encore une fois, là, tout le monde peut parler, il y a 19 000 personnes, donc voilà. Forcément, il y en a qui vont avoir envie de, tu vois. Et je le vois une fois, et putain, je lis le message en premier, parce que je lis en premier, je lis les messages, ensuite je lis les pseudos. Donc je relis le message, et c'est le même mec qui m'a tilté il y a 5 minutes. T'es quand même en mode, sur des trucs de... Le favoritisme rampant sur Twitch. Direct, ça banne, on peut même pas donner son avis, logique, il est sponsor, alors il faut pas dénigrer ce jeu d'enfant. Change de jeu, ça pue la merde. Jeu pour enfant où tu ne peux pas mourir. Là, le seul problème. Non, mais en fait, le seul problème, c'est les premiers messages des gens. Je suis désolé. Genre, là, c'est une OP ou autre, mais c'est juste. C'est de la bienséance de. Parle-moi, frère. Parle-moi, tu me dis bonjour, tu me dis un truc. Quand tes premiers messages, c'est. Non, mais ça, c'est maintenant, c'est la règle. Maintenant, c'est. Vas-y, c'est la règle. Maintenant, c'est la règle. Si tes premiers messages, peut-être que c'est sévère, je m'en fous. Si tes premiers messages, c'est du négatif, de dire que je suis une merde, de dire que le jeu auquel je joue, il pue sa merde, ou quoi, c'est genre. Ah oui, là, lui, il en a plus rien à foutre, quoi. MDR, je me rappelle plus le contexte, mais je m'en veux d'avoir dit ça. Frérot, qu'est-ce que tu lâches ? C'est genre, les gens sur Internet, je te dis, c'est juste ce truc d'anonymat, en fait. C'est juste ce truc-là. C'est souvent, hein, tu vois, là, le gars, il sait pas, il est un peu fou, il a écrit 8 MDR, il se dit, allez, vas-y, on y va. Je me suis emporté, j'orage, qui est chaud pour un match, le nez enculé, le lyonnais enculé. Bon, c'était ambiance de foot. Allez, si je pardonne, j'aurais pardonné sur un Saint-Etienne, je pardonne pour Lyon. Vu la gueule de notre club en ce moment, on mérite. Non mais là, c'est, par contre, c'est que des trucs où je tilte, hein, les modos. Vous avez trié les fous, là. Alors, le 53. Mayenne, c'est nous. Voilà, Mayenne. Et il représente bien. Vive les croutons. 19h, il perd trop de temps, on s'en fout. Ah, et puis l'orthographe aussi, hein. Mon roi Perrin. Je suis un gueux chez mon roi. Non, je le débanne, là je suis en tilt. Mais à plein de moments. Hein. Mais normalement c'est censé être caché, quoi. Raskin, Carcelin, FC dans jaune. Ça on a ban parce que c'était Sard sur Popcorn. Ou à chaque fois qu'il revient sur Popcorn, t'as les mecs qui sont en mode putain,
full dans jaune. Et là, pareil, c'est un seul mec, ça va, mais quand c'est une vague, une flopée de gens, ça va moins, quoi. Bon, ça fait un an et ça débanne. Allez, ça débanne. C'est des piments, ça. On a fait cette page. Fils de pute, va niquer ta mère. Je baisse ta mère la pute enculée. Mais c'est bien aussi, de temps en temps, ce genre de mec. Parce que sinon, tu vois, on se dit, putain, j'ai un peu sévère, le gars, quoi. Mais c'est pas que eux qu'il faut ban non plus, hein, tu vois. Ça doit pas être le standard du mec qui se fait ban. Sinon, si tu vas pas jusque-là, oh, t'avais encore de la marge, tu vois, pour te faire ban, tu vois. Non, un frère, enfin, t'es, il a pas été ta sœur, mais il a pas non plus dit que c'était une pute. Donc, tu as peut-être un. Je te lave sur tous les jeux et tous les jours. Premier message. On veut pas de toi, ma gueule. J'en ai rien à foutre. Essaye de snipe à la limite. Fais un truc, au pire. Tombe ensemble, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, bon voilà, le mec qui spoil, ça c'est perma à vie. Voilà, chat de P-Word, quoi, SVP. Voilà, donc là c'est bien, là on peut les ban en boucle, là. C'est parfait. On y va, là on est bien, là, on est sur une bonne série, là. ça c'est un copypasta qui est marrant, je crois. Tac-tac, c'est débile de Kameto sans moi. Oh, les gens. Osef de Sardoche, ce tocard. Ah, putain. Osef de Sardoche, ce trou de balle. Il y a un an et demi, c'est nul, I'm French, Xari Zero, c'est trop négatif les refs. En vrai c'est juste ça, tu vois. J'avoue que... Moi c'est une thérapie le streaming, hein. C'est trop bien, et tu vois c'est ce qui fait qu'on est addict, mais tu peux pas avoir des gens qui sont juste tout le temps en mode... aigri. En fait le mot est aigri, tu vois. Le mot est aigri juste de... C'est beaucoup de haine, et je comprends le côté où, normal, tu vas sur Twitch, c'est aussi pour te décompresser sur internet ou quoi, tranquille je connais, tu vois. Et tu sais, t'apportes une ambiance un peu morose, quoi. Lis la suite. Et de la, Kamel, ce débile. Oh, ouin ouin, les pauvres traders. Du coup, Zulu, il est là pour gratter l'amitié parce que tout le monde s'en bat avec de ses streams Yu-Gi-Oh. Ouais, frère, y a pas à être aussi méchant, en vrai. T'as pas réussi à percer sur Twitter. Tu mets les mêmes tweets, tu fais deux faves. Tu te dis peut-être sur Twitch, on aura un peu d'attention pour moi. Débile de la K-Corp, on s'en branle de Marvel. Le mec, c'est tout. Deux doigts de découvrir le concept de veille. Le gars connaît, machin. Et ensuite, bon toutou, c'est un copypasta. Là, c'est un tout. Hein. Là, c'est un permaban pour tout. Là, c'est... Ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Là, c'est... Il est insoutenable, lui. Ah ouais, il a tenu longtemps. C'est vrai que lui, il aurait pu... tu vois, vous dites qu'on est sévère. Souvent, il... Parce que là, c'est ce que vous voyez, mais il y en a qui passent entre les mailles du filet. Hein. Donc, comment il fait pour pas se faire ban avant? Bah, il donne le max, les modos. Hein. En vrai, il donne le max, c'est pas simple, hein, les gars. Donc, c'est pas simple. NTM Mastu. Ça me dit un truc comme quoi Mastu, à un moment, on lui avait demandé de. Il avait dit, ouais, insultez-moi là, juste pour voir. Un truc comme ça, je crois. Ça me dit quelque chose, sauf que 30 mai. Ah, si, c'était Big Nine, 30 mai. 30 mai 2021, c'était Big Nine. Je crois qu'il y a un truc où Mastu avait dit, justement, insultez-moi, ou un truc comme ça me dit quelque chose. Big Nine, il avait participé avec Inox. Donc, Donc si, hein. On débanne. Nick, tout est mort. À mettre les rediffs en mode sub. Premier message, pardon. Ah, je comprends mon ref, mais... Désolé, en plus, j'ai expliqué 20 fois, essaye de faire au mieux, chaîne de replay, tout ça. C'est nul, claqué. C'est nul, nul, claqué. Après, il était vraiment mauvais dans mes souvenirs. Pas mes frises, faut qu'ils le découvrent. Ouais, là, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est des messages qui sont vraiment... En fait, tu vois un mec en live. En fait, c'est exactement comme si t'avais un mec qui t'envoie un SMS et tu vois le message arriver. Et tu le vois écrire, c'est nul. Tu le vois écrire, nul. Tu le revois écrire, claqué. Du coup, t'es en mode, bah frère, enfin genre, si je te banne pas, on continue jusqu'où, tu vois. On va... J'avoue, ça fout le sum mode rediff. Ouais, je comprends, désolé le refrain. Mais j'en ai beaucoup parlé en plus de ça. On a une chaîne Popcorn, c'est de tout mettre rapidement. Domingo Replay, on met tout vite aussi, c'est pour ça. Et à côté, bah après, ça, ouais, c'est dans business model de la boîte, quoi. Bon, petit bracelet, lui. Petit bracelet, mais attention. C'était quand, ça? Bon, ah, ça va, c'est il y a plus d'un an. Allez, bracelet. Bracelet, pas de soucis. On croit aux gens. Oh là là, ouais, ça c'était l'enfer, à un moment de l'échapper. GG d'avoir cancel Sardoche, Free Sardoche, dit les termes avec MV la chialeuse, PA Castex, Mytho. Donc ça, c'est quelqu'un qui a senti Sardoche trahi, qui au moment où du coup Sardoche
avait annoncé justement que l'échappée il ferait pas, le truc de popcorn qui se retirait, il avait dit, donc t'avais des mecs qui étaient en mode les défenseurs quoi, donc je crois que c'était ça, c'est où Sard avait dit non non bah en fait du coup que ça soit popcorn ou autre, c'est pas spécialement moi, il y avait eu tout ce truc là. Vas-y, mais quoi, je me rappelle plus, désolé, mais j'ai couru 9 km pour me faire pardonner. Putain, il a fait le Big Nine. Oh bah c'est nul juste avant. Oh. Vive le racisme de SS, nul à chier, quand tu ris on voit plus tes yeux. Oh putain. Non, c'est perma ça, parce que... Vrai truc aussi sur le racisme asiatique, hein, où du coup c'est normal. Parfois je vois des dingueries sur Twitter, frère. J'ai vu des dingueries récemment sur Marie. J'en avais pas parlé parce que j'espérais qu'elle ait pas vu. En tweet cité sur Popcorn, je crois que c'était avec Didier Drogba. En tweet cité, frère, ça a RT le tweet pour dire MDR, elle va dire quoi, Ching Chang Chong, avec Drogba. Des trucs comme ça. Tu sais, des trucs vraiment. Merci Chris pour les 5 subs. Tu sais, le truc vraiment en mode racisme primitif de base, quoi. Tu vois, en mode. Tu sais, ça faisait longtemps limite que j'avais pas vu ce genre de truc. Tu vois, deux mecs qui ont vraiment mais tellement plus rien à foutre à un point où t'es là, t'es mais... Je sais pas si ça vaut le coup que je recherche le truc, quoi, mais... Ah, mais les tweets cités, ils bug au bout d'un moment. Y'a rien à voir ici pour le moment. Enfin, ouais, pas... j'en ai vu 3-4 des comme ça, j'étais en mode... Ah ouais, donc... Et c'est vrai que souvent, le racisme anti-asiatique, etc., y a un truc... Il y a zéro filtre sur les Asiatiques. Bah souvent, c'est genre, bon, bah c'est ok, quoi, tu vois. Très positif, cela, en tout cas. Ah, mais désolé, mais c'est la déprime, hein. C'est la déprime à chaque fois, le tribunal. Hein. C'est la déprime, et au milieu, moi, je suis grand moralisateur. Et encore une fois, je suis désolé. Hein. C'est vraiment. C'est. Je veux pas que ça. Je veux vraiment pas donner cette impression de. C'est pas gentil d'être méchant, tu vois. Mais c'est juste ce truc de. Il y a des points où c'est bien si, quand même, on essaye de faire un effort, tu vois. Et c'est déjà le cas, hein, de plus en plus, tu vois, que ce soit sur Twitch ou autre, où des gens se... C'est en mode, bah frère, enfin pourquoi tu dis ça, t'es un plouc, quoi. Donc, mais bon, et d'un autre côté, comme d'hab, hein, les tribunaux, ça permet aussi de se rendre compte un peu de... bah parfois du point de vue streamer, tu vois, ou parfois il y a des tilts, parfois il y a des machins, de comment on voit le truc, quoi. De la moralisation pour beaucoup, il a juste des grosses dingueries. Oui, non, mais le côté moralisateur pour, bah, c'est comme d'hab, ceux qui connaissent, quoi. Lorenz, merci pour les 10 subs. Merci beaucoup. C'est si simple d'être gentil, pourquoi faire le contraire? Non, mais c'est vrai que parfois, bon. Gigi le gros payword. Je crois que j'étais sur le chat de New Titeuf. Et en vrai, sur Twitter, des trucs homophobes, pareil, tu vois. Des trucs où. Parfois ça rigole un peu trop avec des trucs mais parce que enfin ça, tu sais, ça semble con, mais il y a vraiment, parce que en fait quand t'as pas une haine des gens, tu peux prendre le truc à la rigolade, dans le sens où ça te semble irréel, tu vois, de pas aimer les noirs parce que le mec est noir, de pas aimer genre quelqu'un parce qu'en fait il est attiré par des hommes. Quand tu t'en bats les couilles et que t'es à l'aise avec tout ça, tu sais, ça te semble irréel, tu vois, ce truc. Mais quand du coup, il y a tellement de gens qui, bah, c'est l'homophobie, hein, c'est la base de l'homophobie, qui juste ont un problème fou, par exemple, avec les homosexuels, qui n'acceptent pas ça, qui ne tolèrent pas ça, qui ne peuvent même pas, tu sais, genre, tu sais, c'est un truc qui est en eux, mais c'est comme le racisme et tout, enfin. Je suis à deux doigts de debunk et de sauver la France, là, mes amis. Mais, récemment, je m'étais fait cette réflexion, de vraiment profondément, au-delà parfois de l'utilisation des mots, etc., tu vois, où tu peux ne pas avoir... Le mot tapette, par exemple, c'est ce qu'on disait, 2014-2015, tu dis ça à ton pote en mode, putain, t'es une baltringue sur un truc, oh, j'ai eu peur de faire ça. Parce que pour toi, avoir peur de faire ça, c'est ça. C'est pas dire, putain, mais en fait, ça veut dire que t'es homosexuel, et comme homosexuel, c'est pas bien, et que... Tu sais, c'est juste un raccord de mots, boum boum, quoi. Et du coup, ouais, c'est... Enfin, bref. La position du penseur, pardon. Non mais pardon, mais c'est même, tu sais, j'ai 27 piges, donc je réalise plein de trucs aussi, tu vois, en grandissant, hein, comme je disais, hein, moi. C'est ce truc de tu grandis aussi, il y a des mots que tu utilisais, que tu n'utilises plus parce que t'as compris pourquoi, ou que ça pouvait toucher des gens, ou que... Enfin bref, nul à chier, la France. Liberté de pensée et de parole, elle est où?
J'exprime mon opinion suite au jeu. Comment ça? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Liberté de pensée et de parole. Qu'est-ce qu'il nous fait? Comment ça, on parle mal de la France? Comment ça? Bracelet. Guy Leclerc. Le LOL premier. Mais en fait, j'ai plus le jeu en tête. Bon, on verra, on laissera les modos gérer avec le contexte. Salut petit Payward. Mais les gars, c'était pour déconner, je suis pas homophobe, je suis désolé. Premier message. Mais ça, c'est juste prendre conscience de certains trucs, tu vois, de... Ah, je voulais voir ce que ça faisait si j'écrivais le mot, si c'était banward ou pas. Oh là là, on a un combo. Je ne recommencerai plus. Oh, celui-là, il est beau quand même. Celui-là, mon ref, celui-là, c'est quand même un... Ça, c'est un sacré mot, ça. Ne recommencerai plus, il est quand même... celui-là, il est vraiment... Il est quand même bien placé, quoi. Il a 5 ans. Pff. Ça, c'est les mecs qui essaient de te piéger pour peut-être que tu dises ou autre. Il a dit salut. Qu'est-ce qu'on en fait, tu l'as? Est-ce qu'on y croit? Il y a beaucoup de fautes, hein. C'est pas simple, hein. Pas simple, il y a beaucoup beaucoup de fautes. Hein. C'est quand même. Recommencerait. C'est. Ban. Un JL dit ban. Et c'est un autre JL. Il veut peut-être être mieux représenté, tu vois. Peut-être être mieux représenté que. La plus grosse tête de Tommy. La PP. The Modo, you are son of pute. Bonjour. Ça, faut protéger les modos. Pas fait exprès, désolé. Lui, il m'a mis une session, lui. Tu penses quoi de Michou? Bon. Hey, 18:06, il est 9:30. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on est mercredi? Le 18:06. Ah non, on est vendredi midi. Je me suis dit, il a pas cours. Bon, là, il nous a tout mis, là. Là, il nous a vraiment... il nous a mis une intégrale. Hein. Là... Bon, on va annuler. Hein. Il apprécie moins pour le spam. Je choisis bien ou quoi? Comment celui-là que va faire JL Mélenchon? Allez, Zel, notre garde. Amine, ce gros-là, grâce à lui, le live va durer 7 heures. En vrai, si vous débannez, il y a moyen que je recommence pas. De quoi? Il y avait un P-word. De quoi? Ah, le mec d'avant? Ah, j'ai même pas vu. J'ai vu? J'ai même pas vu. Le dernier m'a insulté. Ah ouais? Ah putain, j'ai pas vu. Il avait dit quoi, l'autre? Ah, P-word plus va te faire enculer? Et je les débanne. Non, mais après, les mots... Bon, Et il avait mis quoi? Je me souviens même plus. C'est tellement machinal maintenant là, que... C'est géré. Bon, il s'est fait ban après. Il avait une insulte au milieu du spam. Ah putain, j'ai même pas vu. J'avais même pas capté. Amine, c'est gros là, grâce à lui, le live va durer. Ça, c'est dur parce que Amine et Billy, ça a été un vrai moment pour eux de se faire vanner et tout, tu vois. C'était un truc avec leur commu. Donc, je comprends que quand tu viens sur un autre stream, t'es toujours dans ce délire-là de dire ah putain, Amine, ce clochard, Amine, il pue la tise, tu vois, genre. Mais du coup, ouais, c'est, je pense que c'est ça, tu vois. 20 juin, c'était un peu l'ambiance. Mais c'est difficile, tu vois, en fait, en fonction des communautés. En fait, c'est ça qui est dur. C'est que chaque communauté. Et tellement, chaque streamer gère tellement différemment sa communauté, donc là où chez des gens ça va paraître hyper rigide, chez d'autres ça va paraître... Ouais, moi j'ai pas d'excuses, mais sous des bannés, il y a moyen, il lâche ce bâtard. Bon après il a juste écrit ça en mode rigolade, c'est pas non plus, tu vois, si le gars écrit ça une fois, bon bah au pire il est kick, mais ça peut être en mode MDR, tu vois, juste là c'était très très long quoi, c'était vraiment une très très belle vanne quoi. Il flex un peu sur l'excuse, vas-y on y croit, on a perdu mal au JL, celui-là, on fait des expériences JL là en ce moment. On les met dans une pièce, Ce sont des souris. Je te débanne, mais il y a moyen que je te rebanne quand même. Souris, j'ai été violent, je ne le referai plus. Oula, ça c'est avant 2017. C'est qui la sale pute qui banne les spams d'encouragement, sérieusement? Alors. Ça, c'était de ma faute parce que pendant longtemps, j'ai pas su comment gérer mon chat. Et donc, du coup, il y a des moments où, bah. En fait, je disais à mes modos d'être un peu sévère parce que ça partait en couille. Mais c'était trop sévère et du coup, tu sais, sur des phases de putain, il y a un but, t'as envie de pouvoir spam et tout. Mais bon, 2017, hein, 2010, avant 2017 même.
avant 2017, ça date d'il y a 4-5 ans. Je pense que 4 ans, il a compris. Alors, attention au claquage. Yes, de la sponso. Quelqu'un de magnifique, ça. Allez, on va casser le site. Moi, je suis là pour. Moi, je suis pas là pour le gros cul de Marie, mais pour Monsieur Astier, alors je me casse. Oh, bah pourquoi, frérot? Vu que je vais pas revenir de sitôt, alors Marie a un gros cul. Ah, oh, tu sais, c'est ok. Ok. Ok, man. Genre, c'est peut-être un frotteur dans le métro. C'est peut-être un... Il a 10 ans. Ah non, ça je pense que c'est pas des mecs qui sont jeunes, ça. Ça, c'est des mecs... C'est, en fait, ça, eux, c'est trop tard. C'est triste, hein. Mais vraiment, les gens qui ont 35 plus, qui sont avec ce genre d'attitude... ou 40 ans, ou je sais pas combien, et qui sont comme ça, c'est triste, mais c'est trop tard. Je pense qu'il y a une vraie génération. Alors, c'est faux. Dans le sens où il y a plein de mecs de tout âge et tout qui se remettent en question. Mais tout le délire, par exemple, de... Moi, j'avais eu des réunions avec un mec, genre des cinquantenaires, tu sais, en mode les patrons, un peu de boîte ou autre, tu vois, où t'es en mode, bon, lui, il va y avoir des trucs qui sortent, où tu sens que le gars, tu sais, c'est normal pour lui. Mais ensuite, ce qu'il a considéré normal pendant 30 ans, bah en fait, c'est plus récupérable. Sauf qu'il y a une vraie envie, tu vois, de comprendre et comprendre de oh, putain. Après, si le mec a fait des grosses dingueries, c'est pas ça non plus, tu vois. Mais ouais, mais je pense que justement, les gens qui sont vraiment. Eh oh eh, ça va là, il n'y a pas à mettre de soutif, l'autre pute. Eh ben. Ça là, c'est fini, hein, tu vois. Ils sont pas tous comme ça, mais. Alors, je pense et j'espère que les gens évoluent. J'ai l'impression que c'est un peu grâce à des gens comme toi. Non, mais c'est juste que c'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait la même, quoi. J'ai fait la même d'évoluer sur des trucs. Mais encore une fois, je suis pas parfait. C'est la pire position, ça, de... Putain. Rejoignez-moi. C'est pas ça. C'est que t'as juste envie que... T'as juste envie, putain. On va peut-être... Je sais pas si vous voulez des enfants ou pas, tu vois, mais... Que plus tard, si t'as une fille, ça puisse bien se passer, quoi, tu vois. Moi, je vais... J'ai trop envie d'avoir des enfants à un moment dans ma vie, tu vois. C'est un vrai truc qui... Si j'ai une fille, tu vois, j'ai envie que les gens même qui sont face à eux soient, tu sais, genre, éduqués pour pas mal parler à ma fille. Des gens qui vont mal parler à ta fille, tu sais, genre, t'es en mode, mais attends, on est où? Genre, enfin... Comment ça? Parce que t'es une grosse merde pas éduquée, tu vas traumatiser ma fille. Comment ça? Comment c'est... Enfin... C'est... T'as envie que ta fille, elle puisse... Ne pas être en pression, tu vois, de rentrer chez elle, de se dire putain, j'ai acheté une nouvelle bombe à poivre. Genre, t'as envie de. Mais c'est pas pour autant que c'est faisable, mais si on peut tendre vers ça, tu vois. Tu vois, qu'elle puisse, si elle veut se créer un compte Insta, qu'elle se crée un compte Insta, qu'elle fasse sa vie, tu vois, dans le respect de l'éducation, tu vois. Mais leak, non, mais il y a le temps. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai des envies d'avoir un gosse. Mais ce qui est. Mais quand je nettoie la litière de mon chat, je me rappelle le pourquoi j'en ai pas, tu vois. Mais je pense que c'est très bien. D'être dans la réalité du truc, quoi, tu vois. De, eh ben écoute, tu vois, honnêtement, c'est pas pour tout de suite, mon frère, quoi. Mais ça fait envie. Mais y a le time, quoi. Y a le time. Bon, t'es pas très bon, j'ai ragé, quoi. On commence à connaître mes petits moments de tilt. Voilà, je vais pas vous apprendre. J'ai aucun souci à rester ban, car le contenu ne mérite pas de commentaires. Bon, voilà, tu vois, le gars. Après le bouffe, mais toi oui, ça se smiley aussi. Bon. Ouais, c'est vraiment le. Bah, j'ai aucun souci, je demande un déban, mais en fait, juste pour te dire que j'ai pas de problème à rester ban parce que je m'en fous en fait. Ok? You got virus, dog, you got virus. Sorry, that was my 5 years old cousin, mais j'ai une grosse commu. J'ai une grosse commu anglophone ou... Moi, je pensais que c'était des bots, ça. Mais du coup. Ce qui est compliqué, c'est qu'un mec qui fait une dinguerie, ça ruine la réputation. Des mecs qui ont des comportements corrects. Non, c'est pas le... Enfin, c'est pas le truc de tous les mecs, quoi, tu vois. C'est juste un truc de... Oh, ouais, non, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui est pas... Je suis pas contre, je suis pas pour la stigmatisation non plus, quoi. Juste pour la compréhension de ce que vivent... ceux qui sont pas... discriminés, harcelés ou autres, quoi, tu vois. Enfin, l'inverse, ceux qui sont. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Bon, viens, on s'en fait 5 derniers. Parce qu'après, après, ça te met dans un mood aussi, le tribunal. C'est pour ça que j'en fais tous les 3 mois, hein, parce que... le stream de Sard en caleçon, c'est bien loin, tout ça. C'est faux, les hommes aussi. Sardoche ne pouvait plus stream en caleçon à cause de ça. Bonne chance à tous ceux qui l'auront et se feront Parcoursup. Norman Genius n'a pas le brevet, se craque. Merci à Foxback pour le prime. Soirée maltaise, l'odeur des lulers devant leur PC, ils vont pas être contents qu'il y ait de la nation, c'est sûr. Allez, il y a tous à Webedia, je file 2K à celui qui vole le film. Le mot anglais, les bouffes, Ichias, numérique, magie de maths, c'est toujours pas fou. Si je décalcule, les gars, il n'y a aucune technique, si je calcule à l'avance, full mat, le bid. Le Xav, c'était bois l'ancienne, donc du Big Silvers. Les sneakers, c'est plus souvent un fétiche de gay, de ce que j'ai vu. Pourquoi je les banne ? Je sais même pas. Tranquille, Léonard, c'est juste un constat. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Non, pour le coup, là, le mec semblait vraiment... T'as pas envie d'être son pote, quoi. Mais là, bon... un truc sur... voilà, j'avoue que je sais pas. My bad. My bad ! Non, non, mais... bah, homophobe. Bah, c'est un peu bizarre, mais c'est... Enfin, c'est un avis qui n'a pas sa place là, mais où concrètement, si, c'est comme si concrètement, pour moi, c'est pas homophobe, dans le sens où, je te dis une connerie, enfin, tu sais, c'est le fétichisme, quoi. Ça, c'est le fétichisme. S'il y a des fétichistes, s'il y a des fétiches qui sont peut-être plus, je dis une connerie, mais c'est difficile, parce que personne n'a de stats. Donc, le fait de le penser et de stigmatiser une communauté, mais... ça mérite un kick, tu vois, mais là, il est pas dans un truc à dire « C'est sale merde de gay, il se branle dans des chaussures !» Il est en mode juste de ce que j'ai vu, donc c'est peut-être une expérience perso, de, dans son entourage, il a des potes qui peuvent être gays ou autres. Moi, je pense qu'il faut pas non plus... Mais c'est ça qui est difficile, en fait. C'est trouver le juste milieu entre pas sacraliser les gens qui sont différents, parce que c'est des humains, tu vois. C'est genre... ouais, les gays, ils ont des délires justement fétiches et compagnie, comme les hétéros et tout, quoi, tu vois. Mais c'est dur, ce truc-là, de pas sacraliser d'un côté, en même temps pousser pour qu'il y ait du respect. Et tu vois, genre, je... homophobe. Moi, je trouve pas ça homophobe, tu vois. Mais, c'est pas parce que, enfin, dire que quelqu'un est gay, c'est juste dire qu'il est homosexuel. Gay, c'est pas homophobe. Enfin, sauf si j'en ai loupé une, mais tu vois, c'est... Je pense qu'à la fistinière, il y a plus de gens homosexuels que hétérosexuels. Va savoir, c'est un avis à côté de la plaque, mais c'est pas pour autant que je pense que c'est un avis homosexuel, tu vois. Genre homosexuel, homophobe, pardon. Tu vois, dans l'idée du truc, c'est genre... comme ça, je dirais ça. Après, va savoir, c'est de la merde, hein, c'est full fou, tu vois. Mais ouais, c'est ce truc-là aussi qui est important, dans tout ça, justement, de prendre des pincettes et tout. C'est aussi de pas... et la réalité, c'est que souvent, moi, quand je parle... mais c'est un peu comme le truc, tu vois, du handicap, quoi. Genre le Téléthon, par exemple, ouais, il me disait, tu vois, Raoul. Mais bah, en fait, c'est le truc de validiste, tu vois. Les valides qui sont en mode, non, mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce que vivent les handicapés. Et ça, pour le coup, cette phrase, c'est une réalité, tu vois. Mais, et qui, du coup, vont faire, t'es en mode de la surprotection de... ces petites choses sans défense, sans nous, vous vous rendez pas compte, ils pourraient pas vivre, tu vois, et ce truc qui va au-delà de juste du problème de base, quoi. Enfin, je pense. Va la toussure, va la toussure. Apparemment, la toussure, il est là, bon, joue MDR. Il a pris qu'un kick, tu vois. Il avait mis des messages avant. Tu vois, il a mis un MDR, c'est un bon joue un peu plus... oh, je suis dead, t'allumes mon com, fais l'arrivée, t'es long, là. Bon. Je n'ai pas apprécié le deuxième. En vrai, là, ça doit être le truc où je vois le premier, le bon joue, tu vois. Et je suis pas tilt, mais ok, tranquille. Et le télon, il a un joue MDR juste au-dessus. Bon. Non, il a mis des messages à côté, mais bon, juste. On n'est pas des jukebox. Merde, j'ai pas vu la réponse. Des gros P-word, N-word, toutes les let word. Sucez-moi. Bon. Ça peut être une demande, mais je voulais voir si les modos étaient réactifs. Kung, c'est fort, c'est une Formule 1. Ça joue à PCM. Paul, merci pour le sub. Il a dit pourquoi je suis ban, j'ai rien fait. Merde, il avait fait quoi? Ah, le joue. Ah non, mais c'est un jeune, c'est tranquille.
Il comprend pas, mais tu sais, mais du coup, c'est des trucs de lui, il y a plein de gens, ils savent pas. C'est pour ça qu'il y a des règles dans le chat, mais qui lit les règles de chat? C'est le truc où t'as 6 trucs à pas faire. Ah, donc du coup, il faut pas que je lui dise de jouer quand. On en fait quoi, lui, là? Sucez-moi, bon, voilà, en plein confinement, le mec avait envie. Début juillet, c'est bon, début juillet, il était un peu en galère, ça fait longtemps. Allez. Bon, alors lui, il nous spam. Ma bite, N-word. Désolé, je ne recommencerai plus. Faut réfléchir avant, ma gueule. Hein. Enfin, c'est genre. T'es très conscient quand tu parles des chronos de David et. Change sport, football is not for friends, eliminated by Switzerland. Why? Ah, ça, c'est même pas en français, ça. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles? Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? On appelle ça un raffut, connard. En tant que bon rugbyx, en tant que teammate de Damien Penaud, je mate et je dis, oh putain, il lui a mis une cartouche ou un truc comme ça. Il me dit, on appelle ça un raffut, connard. La gratuité. Ah, c'est le rugby. Ah, il avait mis du team pack, allez, vas-y. Allez, on croit en toi. Mais t'as de la chance d'avoir deux messages avant, deux émotes. Hein. Parce que sinon, et le connard est... Mais tu vois, ça, par exemple, le connard, en soirée, il est incroyable. Genre, vraiment. Là, je suis avec des potes. Je dis, oh putain, lui, il a mis une cartouche ou quoi. Enfin, bon, la cartouche, c'est très... C'est le meilleur exemple. C'est pas le mot que je voulais utiliser, peut-être. Mais genre... T'es genre, je dis un truc de rugby où j'ai le mauvais mot. J'ai un pote qui me dit, on appelle ça, t'es genre, on appelle ça un raffut, hein, connard. Genre, vraiment trop drôle, tu vois. C'est genre vraiment trop bien. Mais, genre, le mot connard, de temps en temps, quand c'était sur un truc un peu. Tu vois, c'est genre vraiment bien. Mais c'est ensuite comment tu utilises. C'est comme là, s'il y a d'un coup. Le faites pas. 19 000 personnes te disaient, hey, gros connard. C'est du perma, faites attention. Je live en masse. Bah, lui, live, hein, mais là, c'est trop de messages. Hein. DSL. Oh putain. Billy Chiche, je sais parler Billy, il est gêné, là, sois pas timide. Allez Billy, allez, Rebe timide un peu, Rebe à l'écart. Il sait parler Billy, ouais, ça y est mon ref. 16 minutes, Billy avait fait les 4-5 premières. Bon, il live, on lui donne de la force. Bon, il l'a fait en une fois, quoi. Bon, c'est un... Il est fan de Billy, allez, vas-y, on a le droit. On a le droit, quelle heure? Je parlais pas de la Belgique, mais ça prêtait à confusion. Ah, chais. Bon, on annule ça. On est gentil, là. Enfin, j'avais dit 5, c'est comme d'hab, je me fais. Ta grand-mère, la pute, on peut me ban. Pourquoi, en fait, il est là? Mais pourquoi, bordel, pourquoi? Putain, le cool kid, j'ai honte, le déshonneur. Ah, mais du coup, son message, on comprend pas. Parce que comme c'est 2018, on pourrait se dire, ok, le mec vient de se... En fait, il y a peut-être une lecture où le mec... 3 ans après, relit son message et se dit « Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai écrit, tu vois ?» Mais le pourquoi le cool kid, j'ai honte des honneurs. T'es en mode bon. Bon, on va annuler, ça fait 4 ans quasiment. Ça fait 4 ans, mais c'est vrai que... Parce que normalement, les gens qui demandent juste un perma, bah en fait, ils ressortent même pas au tribunal. Enfin, pas au tribunal, mais... Oui, ici, parce que t'as pas trop d'intérêt, quoi. Alors, on s'en fout, très bonne qualité. Domingo les coups de pack, Zari TG. Zilan, pardon. C'est pas... Forceur, il n'y a pas eu de dinguerie. Des dingueries énormes, Koh-Lanta. Le Parisien est un stratège. T'es nul? Pourquoi tu dérapes pas? C'est horrible. Dérape, non? Mais dérape, c'est horrible, là. T'es nul, faut que tu dérapes. Match nul, et pas kick là-dessus, hein. Dealer de chameau. Match nul, la Suède peut mieux faire. Arrête le poker, c'est mieux. Vraiment nul. My bad, je me suis pris pour un pro alors que non, sorry. En espérant... Bon, vas-y. Tu comprends le pourquoi du comment, il n'y a pas de souci. En vrai, moi, c'est ça, hein. C'est genre... Tu comprends que t'as été relou, vas-y, il n'y a pas de problème, mais... Magla va à la cuisine, ok. Allez, ça bouge. Non, meurs pas, FDP. Désolé, je me suis laissé emporter. En même temps, c'est ça aussi le streaming. Les gens vivent le moment avec toi, donc... quand ça se passe mal, ça se passe mal. Je dois le perma, parce qu'il me met un double FDP. Il me met un FDP, il se fait kick, il remet un FDP. C'est... Mais en même temps, il vit le moment, il s'emporte. Allez, il s'emporte, allez, vas-y, il s'emporte. Ah, mais en même temps, putain. Non, meurs pas. C'était quoi? 5 août? Je faisais quoi le 5 août? 5 août, j'étais en train de passer le permis, frère. Je faisais quoi le 5 août? Ah, je suis rentré, vite fait. La faute sur la demande, ça mérite perma. J'avoue que je sais même plus. Go touch tracker, oh, j'ai la flemme. Bon, je le perma. Pardon. Oh, double FDP en même temps, ça va.
intentionnellement que tu violes le mec. Sors ton paf. Sors lui ton paf. Sors ton paf à la meuf. C'est quoi un paf? C'est quoi un paf? Sors lui ton paf. Vous connaissez. Paf égale bite. Ah vraiment? Paf c'est genre ta bite? Ton pénis. Je connaissais pas. Ah mais là c'est un ravagé du coup. Eh hey, sors ta bite! Allez, sors ta bite à la meuf! Ah, faudra sûrement que tu violes le mec! Le paf, c'est ouais, paysage audiovisuel français, mais là, je pense que. Sors-lui ton paf! Merci de bien vouloir me déban, c'est une erreur. D'ailleurs, c'est 8 caméras dans Sceaux, avec ses 13 comptes Instagram. Tu dois pouvoir faire quelque chose avec le gaz, abruti. Bouche d'aération, sale chien. Non, mais attends, on est où là? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi de mal, comprends pas? Je sais pas. Ah, y en a, ils ont créé un standard dans les chats où c'est une normalité. Hein. Ah, je comprends pas. Sale chien, là. C'est bonsoir à 14h. Ça se voit que vous avez été les top FR. Contour la porte, ça reste en placo. Chep et TDR, t'as, toi tu vomis quand t'es stressé. 18ème, si la copine dans la chambre, ils vont l'entendre. Souvent, c'est que pour les riches. Voilà, il comprend là, tu vois. Ouais, t'es éclaté, ça a l'air tellement à chier. J'espère que tu perds. Je l'avais mis un petit time out, tu vois. C'est rare. Eh, c'est rare, on profite, hein. C'est pas un ban là. C'est quand que tu perds, oui, on connaît. Oui, oui, elle est pas à nous, ça dégage. Je confirme tes propos. Y a-t-il un jeu où tu as du skill ou non? Pff, ouais, bon. Frère. Prise de conf. Mais c'est vraiment une catégorie prise de conf en fait, ces gens-là. C'est juste une... C'est... Mais c'est ça, hein, c'est... Bande de FDP, mes sincères excuses. Bon, c'est il y a un an et trois mois, on tente un bracelet sur lui. On tente un bracelet. Alors, 50K pour des podcasts, du coup. C'était une... je crois que j'avais 50K pour baiser une rivière. C'est horrible, faut défendre les femmes, mais c'est vrai qu'il y a baisé une rivière, quand même. Non, c'est vrai que Solange, c'est quand même à part, hein, sans vouloir... Mais alors, sacré gameplay, Roxane, Police Giga Poggers, grosse branlette, Stardash 24 sur Twitter. C'est quoi, c'était Tune en carton, Free Hello, Tune en carton, Pierre des Caraïbes, Clap Clap. Oh, il participe, mais Charlie D'Amelio participe sans être irrespectueux. Ah, je crois, on parlait, là c'était il y a un peu plus d'un an, on parlait du CNC, ça parlait des. Ça fait longtemps. Oui, oui, non, ça fait longtemps et ça aurait pas mérité un perma. Mais c'est ce truc-là, parfois on prend un peu plus parce que. Il est toxique. Bah, il spam un peu, il est un peu en caps lock. Mais c'est. Non, mais tu vois, honnêtement, moi je demande pas. Je demande pas à mon chat d'être non plus en mode juste tout le monde écrit monocle à l'œil, petite pipe. Putain, c'est toujours les pires exemples. Petite pipe en bouche et du coup, t'es en mode au calme, tu vois. Et tu écris ton truc, ah oui, tout à fait, mon cher, tu vois. C'est cool de pouvoir avoir des gens qui parlent un peu plus que juste des réactions, mais c'est Twitch aussi d'avoir des réactions, juste des trucs normal, tu vois. Et c'est clair que là, par exemple, tu dis MDR, tu vois, c'est clair que si dans ton historique, bon bah t'en as mis 4-5, si on regarde que l'historique, t'es en mode bon voilà, mais juste tu t'as participé quoi. Donc, par contre, c'est tchatch, PA, excusez-moi le tchatch. Ah, vous êtes un sacré tchatch ce soir, hein. FIFA, STP. Spam excessif, mais voilà, les gens ils se remettent en. Moi, honnêtement, si tu te remets en. Le pire truc, c'est les gens qui se remettent pas en question, tu vois. Et qui, du coup, sont en mode. J'ai mon truc, ok, j'y vais, je creuse, et tu creuses dans ton machin. Si juste tu te remets un peu en question de, ok, peut-être que là, est-ce que j'étais pas. Et ouais, j'avoue, moi, le premier, parfois, hein, parfois, je suis trop, peut-être hard, trop machin, trop pas assez, ou j'en sais rien, mais. Sardoche, quelle merde, il vient même pas avec tous les autres. Genre, pitié, je suis désolé, je recommencerai plus, en plus, au fond, Daroche, je l'aime bien. Daroche. Et c'est un troisième JL en situation de Daroche. Le troisième... Putain, premier message, quoi. Je suis bonne, mais je comprends pas. Je suis désolé. Il a dit, voilà, est-ce que le... On trust son voilà? Est-ce qu'on trust? Est-ce que nous avons confiance? La règle est la règle, Domi. C'est vrai que sur le premier message, le gars arrive, il fait ça.
En vrai, au-delà du... On a dit que... On a dit que premier message, si c'est négatif, il a dit voilà. Ouais, mais ça va retomber sur la gueule, ça va être... T'as pas envie au prochain que le mec soit en mode, putain, on l'avait déban parce qu'il avait dit voilà, mais il a recommencé. Il s'excuse aussi, a quitté. On avait dit normalement que les premiers messages... Allez, sondage, tiens, sur celui-là. Allez, sondage dans le chat. Sondage, c'est vous qui décidez. Allez là, le juge Bizo se met en retrait pour celle-là. C'est pour vous. C'est pour vous, c'est vous qui décidez s'il doit être ban ou si jamais il doit être acquitté et avoir un bracelet quand même. Toujours, il sera suivi bien sûr par une équipe. Ça c'est le minimum. Pour l'instant, on a quoi ? Oh, 67% de non. On laisse 2-3 secondes de plus pour voter, mais envie de me faire bannir pour après être dans le stream. Non, mais ça, c'est un besoin de reconnaissance qu'il faut pas avoir tant que ça, frérot. On t'apprécie en tant que personne. En tant que personne positive, tu as apprécié, tu vois. Pas besoin de 65% de ban. On ne le débanne pas. Enfin, débanne oui, débanne non. Donc, débanne non, donc on le laisse ban. C'est rejeté. Vous voulez le ban alors qu'il a dit voilà, excusez-moi, je ne comprends pas là. Oh bah tu vois, ça. Oh bon là le gars. Je comprends pas pourquoi j'ai été ban que des vérités. Ça en vrai ça me rend triste, tu vois. En fait ça me rend triste parce que... En fait c'est ça, pour finir sur tout à l'heure, c'est... pardon excusez-moi parce que c'est exactement ça. En fait ces gens-là t'as l'impression que tu peux plus les récupérer. Tu vois. Et que la haine elle est en eux. Et la haine de l'autre, tu vois, c'est un truc qui est en eux maintenant et qui pourra pas partir. Or qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de certaines choses, tu vois, et qui se rendent pas compte du poids des mots, de ce que vivent les autres et tout. Mais ces gens-là qui ont vraiment, tu sais, genre juste une haine de l'autre à différents niveaux, bah, t'es juste en mode, bah, tu peux peut-être limiter la casse, essayer, mais, tu sais, c'est... ou c'est du troll. Ouais, le troll, c'est pas une excuse à tout, encore une fois, tu vois, c'est pas... Après, t'as des mecs qui sont un peu edgy, tu vois, sur Internet, t'as ça aussi, ou c'est pas des mecs... Sur Internet, t'as ce cas-là aussi, dans ce troll, c'est le côté edgy, parce que troll, c'est pas genre le troll marrant, c'est le troll edgy, où il est en mode un peu, putain, je suis trop borderline, putain, mais vraiment, moi, mais personne peut me contenir, quoi. Mais vraiment, moi, je respecte pas du tout les codes de la société, quoi, je suis vraiment à côté, mais ce qui est absolument pas une excuse, hein, tu vois. Mais qui, peut-être, du coup, n'a pas la haine au fond de lui, quoi, juste un mec qui s'est dit... Why not, quoi, sert de la pute. Je dirais rien, juste, est-ce qu'on peut voir le chat ? Journée bonne. Désolé, chef. Elle a rien. Quels sont les bails avec Idal ? On n'a pas entendu. Putain, il est là depuis... Idal, il est là depuis 2017, quand même, lui. C'est 4 ans de présence avec très, très peu de messages. Ça a de la pute, il y a 3 ans. Il y a 2 ans. 2020-2021, ouais. Il a dit le H-word. Où ça ? Hein ? Ça fait 2 ans, ouais. Comment ça ? H-word ? Mais je ne lis pas ou H-Word OMG ? Quoi ? Ah putain, c'est Idal ! Je cherchais Hitler. J'étais en mode, c'est où ? Où est-ce qu'il a dit ça ? J'étais en mode, putain, je te bais, il y a un autre message, il y a un truc. Putain, Idal. Bon, 2 ans, il se rend compte, il veut plus parler, il a l'air de pouvoir se contenir. Lui, on croit en lui. On croit en lui. Pourquoi le H-Word, c'est Idal qui... Qui était le mec à la base, un joueur pro de LOL, qui, pour vous la faire très court, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui était un ami de Kamel, etc., qui a fait une brohouse avec Kamel, qui a failli être le cotail de Kamel, mais c'était pas la vraie histoire, et qui a surtout été un caillou dans le pied de Kamel et cotail. En gros résumé. Fait mieux qu'hier sur FIFA, 5 subs, 1-1, Ilingue, Kinvé, tu vas bien encore ? Non, je suis là, MDR, je suis là. MDR, c'est moi, les PA, PA Didier. PA Didier, quand la rediff, j'ai rien fait, je me suis renommé, regarde le message, je suis pas un ancien, t'es pas en tant que geste. Quoi ? Alors, j'ai une question, t'es pas en tant que geste ouvert d'esprit, parce que c'est super, c'est vrai qu'il y a pas de. C'est vrai qu'il y a pas de noir, on parlait dans le. Ça devait être un stream tard, ça. Il y a 10% de vraies streameuses et 90% de bikini. Tu vois ? C'est dommage, c'est quelqu'un qui a l'air de pouvoir. Tu vois, résumer les streameuses sur Twitch à sur 100 streameuses.
il y en a que 10 qui stream vraiment et 90 qui sont en bikini, c'est l'image qui a été dégagée. Tu vois, de... Je pensais que c'était véridique, j'aurais dû mettre un point d'interrogation. Mais ça, ça a été aussi un truc qui est grave à l'époque des hot tubs ou quoi, qui justement était grave une réalité dans la tête des gens, de se dire, putain, mais en fait, toutes les meufs sont à poil sur Twitch, elles essayent toutes de percer comme ça, ça marche de fou pour elles, tu vois, genre, t'as trois meufs maintenant qui... Enfin, pas trois meufs, j'en sais rien, mais... qui font du... mais c'est vrai. Bah non. Non, t'as des... Enfin, déjà, c'est pas parce que t'as genre... 2-3 meufs qui ont percé, typiquement des amourantes ou quoi, que ça représente tout, toutes les meufs, tu vois. T'as plein de meufs là qui sont en train de game, gros, à un ou deux viewers, elles sont pas à poil, hein, elles sont comme toi et moi en train de jouer, quoi, tu vois. Et c'est juste ce truc-là de, d'être en mode tu speed des facts, tu vois, un peu quand même. On peut faire le test. Déjà, le nombre de meufs qu'il y a sur Twitch, t'en as très peu. T'as très très peu de meufs. Si tu vas dans les 0 viewers, là, si on fait la liste inverse, honnêtement, tu vois, on va faire chaîne live, on va se mettre en spectateur croissant, tu vois. Bah, tu vois, une streameuse, 0 spectateur, elle est habillée. On va tomber sur une streameuse rapidement. UK Girl, bah, elle a pas l'air d'avoir une cam. Là, c'est une streameuse, elle a l'air d'être habillée, tu vois. Je veux même pas de réflexion sur le fait qu'elle ait un short. Je suis la moitié de mon temps en short quand je joue. Personne me dit, putain, frère, tu montes tes cuisses, tu vois. Ah, c'est la même, elle est chez elle. Je préchote parce que... Bon, on va pas voir beaucoup de déjà beaucoup de cam, tu vois, dans les 0 viewers. Mais c'est juste que c'est des... tu vois, et en fait, ça stigmatise. Et du coup, en fait, ça donne une image aussi aux streameuses où bah, ça pousse à ce qu'en fait, si t'es streameuse, tu te dis, bah, en fait, sur Twitch, les gens, ils ont l'impression que streameuse égale meuf à poil qui vend son corps. Et en même temps, si elle a envie de faire ça, why not, chacun fait sa vie, tu vois. T'es pas obligé de regarder encore une fois. Et c'est ce que ça... Le temps a prouvé ça, hein, sur la catégorie hot tub. La catégorie hot tub, vraiment, et j'espère, putain... Parce que je la vois jamais cette catégorie, mais j'espère que là aujourd'hui elle est pas à 150 000 viewers parce que je sais pas quoi, il y a un événement ou quoi. Si tu regardes la catégorie hot tub, il y a 8 mois les débats c'était putain, ah merde pardon, ah merde, ah ça. Les débats c'était oh là là putain, mais il va y avoir que ça sur Twitch, ça va nous polluer ou quoi. On est où sur la catégorie hot tub honnêtement? ASMR, tu vois, donc ASMR qui est à 20k, donc bon bah t'as des meufs, des mecs, tu vois là, bah pour le coup, 3 meufs, un mec, il y a pas, enfin, plus habillé que moi quoi limite, tu vois. Ouais, ça, c'est des trucs qui existent, tu vois, sur Twitch. T'es absolument pas obligé de regarder. La catégorie hot tub. Je vais la chercher. Descends pas trop. Mais c'est une réalité, hein. Non, mais il y en a. Non, mais je vais pas te mytho que... Genre, c'est une catégorie, t'as pas le droit d'être en... Tu vois, bah, du coup, j'arrive même pas à trouver la catégorie. C'est quoi, c'est jacuzzi maintenant? Ça a changé? Non. Jacuzzi hot tub. Je sais même pas. Ah oui, merde, pardon. J'ai bug en tête de tout à l'heure. C'est quoi? C'est piscine maintenant? Non, en vrai, vraie expérience. Hein, j'ai aucune idée de... 2000 viewers, frère. T'as 2000 viewers? T'as 2000 viewers. Il y a 6 mois, 7 mois, tout le débat était sur... Là, ces meufs-là vont ruiner la plateforme. Ces meufs-là, elles vont niquer la plateforme, ça va être fini, putain, va y avoir que ça, etc. C'est genre... Tu vois, donc, hot tub. C'est ça, hot tub, c'est la même chose, ils ont rename. Hot tub, ça veut dire jacuzzi. Pool, c'est la même catégorie. Hot tub, c'est jacuzzi et beach, c'est plage. C'est exactement la même catégorie, les gars. C'est pas là, c'est exactement là. En ASMR, du coup, il peut y en avoir qui sont bah, peut-être considérés comme dénudés. C'est l'hiver. Non, mais tu vois, et c'est un vrai truc, quoi. Et bah, du coup, c'est comme d'hab. On n'en fait que en parler en mode c'est choquant pour tout le monde, putain, c'est le truc de l'année. C'est... Et en fait, bon, bah, quand il n'y a plus rien, plus personne dit, ah bah, en fait, non, les streamers sur Twitch, c'est pas que des meufs qui font ça, tu vois. Donc, par contre, pour l'ASMR, regarde en monde et pas en France. En fait, non, mais monde, mais bien sûr, hein. Non, mais je suis au courant. Je. Ah oui, pardon. Je suis totalement au courant du truc, tu vois. Et, mais c'est juste que c'est encore ce même truc de si t'as pas envie de regarder, tu regardes pas. Mais du coup, d'aller dire que toutes les meufs qui streament sont en bikini. Tu vois, nous en France, il n'y a eu pas trop cette culture qui est venue, tu vois. Donc,
Mais du coup, c'était quoi? Je sais même plus le gars qui disait. Mais lui, je trouve que c'était honnêtement, tu vois. Et je trouve ça intéressant que lui, du coup, il spit le fact, tu vois, de dans sa tête, ou alors il dit qu'il n'était pas au courant, tu vois, enfin, c'était pas véridique. Mais du coup, il dit le truc. Mais pour moi, c'est pas un permaban. C'est à discuter. C'est à dire aussi aux gens que, bah non, en fait, c'est pas vrai. Regarde, tu vois. C'est juste que souvent, les gens sont en mode ah putain, j'ai vu ça. J'ai vu ça 100%, tu vois, genre. C'est juste que parfois tu dois juste prouver aux gens qu'il aime bien le tu vois. Non, là je commence à fatiguer un peu. Je commence à fatiguer, là on arrive sur 6 heures de live. Mais en tout cas, on a fait une bonne session tribunal. Je pense que je vais m'arrêter là. C'était une bonne session en vrai. C'était sympa, comme d'hab. Ça fait depuis combien de temps là? Ça fait 2 heures et quelques. Ah, ça fait 2 heures et quelques.